Bonjour à tous, salut, comment ça va? Ça va? Formidable. J'espère que vous passez une bonne matinée. Bienvenue dans le confinement. Bienvenue dans le confinement. Il est 9h03, mais un petit peu en retard. Il y a une raison à ça, hein. C'est vous. Comme vous le savez, tous les matins, je fais du café, hein, bien sûr. Et je fais du café avec un super setup Dualcam et tout, machin, c'est formidable. Ma deuxième caméra n'a pas voulu se lancer là, ça fait 3 minutes que j'essaie de me battre avec. Donc voilà, désolé. Petit souci technique ce matin, mais pas de problème, on est toujours là. Hop, je vais vous faire voilà, un petit pivot comme ça vous allez quand même pouvoir me voir faire du café. Ce matin, on va se faire une French press. On va se faire une French press ce matin, ça va être formidable. Mon eau est déjà chaude, donc tout va bien. Hop. Et on va enchaîner. Alors, hop. Voilà, je récupère mon café. Bientôt du nouveau café dans cette émission, hein. Bientôt du nouveau café. Du coup, désolé, hein, vous n'avez pas le setup avec la recette, le coffee brewing, mais je vais complètement vous dire ce que je fais. Hop là, voilà, excellent. Hop là, 20 grammes. C'est parti. Là, je vais me mettre 60 grammes. Voilà, pour faire ma petite réinfusion tranquille. Hop, on mouille bien toute la mouture. Bon, ça va vous? Ça va? Bonjour à tous dans le chat. Je vous vois, il n'y a pas de problème. Ça, au moins, ça fonctionne. Hein? Au moins. Et merci Yann pour le follow. Hop là, on est bon avec nos 30 secondes d'infusion. Bon, et j'ai deux bonnes nouvelles. Deux bonnes nouvelles pour vous. Okay. J'ai que des bonnes nouvelles, moi, le matin. La première bonne nouvelle, c'est que maintenant, Discord a ajouté l'option vidéo. Donc, bon, pas pour aujourd'hui, parce que bon, quand tu découvres ça à 8h du matin avec ton émission, tu dois être prêt à 8h45. Je t'avoue que j'ai pas eu le temps de refaire un overlay et refaire tout un setup d'intégration. Donc ce matin, on va rester en classique avec notre invité du jour. Mais pour les prochaines, alors là, les copains, on va se faire un petit setup en vrai duplex, voire triplex. Ça va être absolument formidable, franchement. Hein? Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Franchement, ça fait zizir. Ça, vous pourrez voir bouger la tête des gens qu'on a. La deuxième bonne nouvelle, c'est ça. C'est que j'ai reçu un petit colis ce matin, avec une petite commande à l'intérieur. Vous savez ce que c'est, moi aussi. Et ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, aujourd'hui, on a un invité qui va devoir nous quitter un peu plus tôt que d'habitude, parce que il y a quand même des gens qui travaillent pendant le confinement. Qui l'eût cru. Mais voilà, il y a quand même des gens qui travaillent. Et donc du coup, ça tombe bien vu que j'ai reçu ça ce matin. Est-ce qu'on se ferait pas un petit unboxing en live? Hein? Est-ce qu'on se ferait pas un petit unboxing en live de ce petit colis que je viens de recevoir? Ça va être formidable. Donc je me laisse ça de côté et on s'ouvrira ça ensemble tout à l'heure, aux alentours de 10h30. Restez là, hein? Restez là, abonnez-vous. Hein? Hop. Zoup. Et voilà, on est bon. Hop, on va se presser ça tranquillement. Ah, j'ai hâte de boire du café. J'ai hâte. Toc, 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 toc. Et je suis pas le seul à recevoir un café. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai vu passer une info sur, bon, alors sur Le Parisien. Donc j'imagine que ça vaut ce que ça vaut, hein. Putain de Parisien. Mais une info qui disait que Amazon allait devoir limiter ses livraisons à tout ce qui était genre produits alimentaires, médicaux, de première nécessité, etc. Donc, si vous avez passé des commandes Amazon récemment, allez checker votre commande sur Amazon, voir si elle est toujours valide et si elle va pas avoir de retard. Checker un petit peu ça, vous pourriez avoir une surprise. Et si vous voulez commander des trucs de café, commandez-les plutôt du coup sur Maxi Coffee parce que oui, ils fonctionnent encore. C'est sûr. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas reçu de trucs. Donc du coup, voilà, pour Amazon,
attention si vous avez commandé des trucs dessus, faites un petit check-up. Voilà. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, hop, on va se remettre un truc formidable, on va se remettre, hop, dans notre version duplex. Absolument formidable, voilà. Alors, maintenant, hop, je peux mettre mon casque, je peux faire ça, hop, et alors, ben, j'ai perdu mon invité. Mon invité a disparu, c'est formidable. Je sais que Tom est là, mais... Mon invité a disparu. Hop. Tom, est-ce que tu es là? Bonjour Théo. Ah, bonjour à Tom. Tous. Comment ça va? Un peu triste, on a perdu l'invité. Bah oui, on a perdu l'invité. Où est-ce qu'il est parti? Bah je sais pas, écoute, j'essaye de rentrer en contact avec lui. Ouais, incroyable ça. Où est-ce qu'il est parti? Telle une... Ah, il est là. Il est là. Je te laisse le ramener. Ah oui, je stoppe, laisse-moi le ramener, ça va me faire plaisir. Ça va me mettre dans le bon mood, là. Hop. Ouais, quand même, hein. Ben oui. Ah. Bonjour. Bonjour, monsieur l'invité. Salut. Ah, bonjour, Nico. Ah, voilà. Comment ça va? Désolé, j'ai... Il y a quelque chose que j'ai pas compris, du coup. Mais ne touche plus à rien. C'est bon. Ne touche plus à rien, c'est bon, on est ensemble, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien, salut à tous du coup. Merci pour l'invite Théo et Tom. Oh, je t'en prie. Ça fait plaisir. Le truc, c'est ce que je me dis, c'est qu'à force de recevoir des gens de chez Belco, on va croire qu'on est sponsor. Évidemment, Belco, si jamais vous voulez sponsoriser cette émission, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un petit DM sur Insta, il n'y a pas de problème. Pas de problème, on en discute quand vous voulez. Ah, j'ai trop hâte de faire des vidéos. Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Belco Greenco. Est-ce que vous avez besoin de café vert dans votre vie? Est-ce que vous avez besoin de formation café? Belco Greenco est là. Attention, ça va finir par se passer comme ça. Attention à ce que tu dis. Ah, mais ce serait pour le plus grand plaisir de tout le monde, hein, je te rassure. En plus, ce serait soutenir une entreprise locale. J'adore ça. Non, mais c'est vrai que c'est ce que je me disais, parce qu'il y a l'heure qui est passée il n'y a pas longtemps. Il y a Jérém qui passe vendredi, du coup, pour parler de variété, si je me rappelle bien de tout ça. Mais je me dis en même temps, tu utilises les gens que tu as sous la main proches de toi, donc voilà, forcément. De toute façon, proche de moi, vu qu'on fonctionne via Discord, techniquement, tu pourrais même ne pas être sur le même fuseau horaire, que ça fonctionnerait quand même. C'est juste que vous avez l'irritante capacité à avoir des gens compétents chez vous, en fait. Donc, c'est ça, voilà. Ça va. Par contre, pour le coup, si tu veux, je connais des francophones qui travaillent dans le café ailleurs, chez d'autres importateurs ou torréfacteurs, etc. Ça me chauffe de ouf. Potentiellement, peuvent venir parler ici, sur cette tribune. On en discutera après l'émission, mais ce sera avec grand plaisir. Voilà. Moi, j'ai une petite question pour toi, Nico, pour commencer. Qu'est-ce que tu bois comme café ce matin? Eh ben alors, ce matin, je me suis fait une petite V60, parce que de toute façon, c'est la seule technique que je maîtrise à peu près. Mm-hmm. Et je bois un café de Diego Jiménez. Alors ça, c'est sourcé et importé par une société qui s'appelle Belco. On n'en parle pas assez, je trouve. En fait, qui vient du Mexique, d'un super, super projet dans le Chiapas. C'est du café qui pousse sous ombrage de forêt primaire dans le Chiapas, torréfié par le El Café Ologo. Super projet. Merci Angel, au passage, hein, d'avoir trouvé et noué des relations pareilles avec ce gars. Et il est torréfié par Kawa, qui me l'a envoyé gentiment. Excellent. Il y a 2-3 semaines. Voilà. Parlant de torréf, et je vois Aurélien dans le chat qui est en direct de la torréf, Mana Espresso a repris du business. Donc maintenant, ça y est, vous pouvez vous choper du mana. Voilà, en ligne. C'est cool. Donc, ça. Pensez-y. Salut Aurel, au passage. Ça fait plaisir de te savoir dans le coin. Ah bah là, sur le chat, on a Aurel, on a Stéphane, là, tout le monde est là. Hein. Tout le monde est là. Okay, on a Dayo, c'est cool. Voilà. C'est... On a toute la Smala, on a Edias aussi. Voilà, donc Manu de Swisswater. Yes, salut Manu, ouais, tout à fait, ouais. Absolument. Bon, et toi, Tom, qu'est-ce que tu bois ce matin? Bah écoute, moi je bois une V60, comme c'est la seule méthode viable et en restière. Et du coup, je suis reparti chez Stéphane, pour mon plus grand plaisir. Donc toujours le fameux Rwanda.
J'ai hâte, j'ai tellement hâte que tu le goûtes, Théo, pour juste voir tes yeux quand tu vas le Ah, boire. moi aussi j'ai hâte. J'ai Parce hâte de le que. préparer avec une Aeropress qui est bien sûr une cafetière Estia au même titre que la V60 et le Mountain Dripper. Évidemment. 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 Bref. Bon, alors, Nico, bienvenue. Est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un retour sur toi, qui tu es, quel est ton parcours, et après, nous parler un petit peu de ton boulot. Toi, tu es importateur, Ouais. c'est ça. Et donc, est-ce que tu pourrais... Je travaille pour un importateur, Voilà, tu travailles pour un importateur. Donc déjà, un ouais. petit retour sur ton parcours, et ensuite, on verra un petit peu plus en détail quelle est ta place et ton travail Yes. là-dedans. OK? Carrément. Je t'en Bah, du prie. coup, comme tout le monde, merci du coup pour cette petite intro. Comme tout le monde dans le café, j'ai fait l'université du café, hein, Évidemment. on sait très bien qu'il Oui, y la a seule et un l'unique parcours. formation valable. Exactement, On pour est travailler dans le tous café. passés par le même endroit, on a tous le même profil. Voilà, c'est exactement ça. Donc, non, mais donc, non, moi, comme tout, pas du tout du café. À la base, j'ai fait une école d'ingénieur en mécanique. Ok. Et en terminant ça, j'étais plutôt prédestiné à designer ou à concevoir, je sais pas, des moteurs, des trains d'atterrissage, enfin ce que tu veux, des trucs où il y a de la mécanique dedans avec des chocs, de la mécanique des fluides et des trucs comme ça. Genre tu bossais sur Katia, SolidWorks et compagnie quoi. Ouais, exactement, Ah, et exactement. T'es bisous à tout à Nafline fait dans le dedans. chat qui fait exactement ce boulot-là. Bisous. Ok, ah bah Enfin, voilà, il est pas ça, là il y a parce des qu'il gens qui arrive toujours sentiront. 5, il arrive toujours 5 minutes avant la fin de l'émission, donc il doit. Voilà. Parce Ah oui, qu'il si des gens peuvent travaille. se sentir concernés, c'est intéressant. Parce que pour le coup, en sortant, du coup, j'étais un peu prédestiné à ça et je me suis dit, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire quand même. Donc, j'ai fait de la gestion de projet plutôt, mais quand même dans l'industrie, on va dire, dans des produits manufacturés, donc entre guillemets morts, pas vivants comme peuvent être le café, quoi, pour moi. Et en fait, ça c'était à l'étranger et en fait je suis revenu en France parce que je voulais faire quelque chose qui avait du sens pour moi. À l'époque je pensais que c'était les énergies renouvelables. Ok. Je voulais me lancer là-dedans. J'ai refait un petit peu d'études pour travailler dans comment on fait des bâtiments durables qui produisent de l'énergie et qui en consomment le moins possible. Et en faisant ça, pendant cette étude d'un an, ce master d'un an, j'avais une petite thèse professionnelle en un an à faire que j'ai fait sur l'agriculture urbaine. Et en fait, ça a été le début pour moi de la découverte, on va dire, de l'agriculture en général, des méthodes de culture qui peuvent nous permettre de tacler fortement tous les mauvais trucs qui nous arrivent dans la tronche prochainement, effondrement de la biodiversité, changement climatique, tout ça. Ouais, soon TM, hein. De quoi? Non, bientôt. Ça arrive Ouais, bientôt. ça arrive bientôt, exactement, ouais. Et du coup, et en fait, en même temps que je commençais à me passionner pour des méthodes de culture comme l'agroforesterie, la permaculture, etc., j'étais à Paris et je découvrais des endroits comme Lomi, comme Belleville, etc. Et avec des gens très cool et des produits géniaux. Et du coup, j'ai monté un projet pour partir, enfin avec ma compagne, on a monté un projet pour partir comprendre comment marchait l'industrie du café à l'origine, comprendre vraiment ce que c'était la base, donc le travail du producteur. Parce que bon, pour nous, nous on achetait du café bio et équitable et on était contents, quoi. On trouvait que c'était super. Et du coup, avec le café de spécialité, on comprenait que c'était peut-être un petit peu limité, limitant de simplement parler de ça. Et du coup, on a monté un site qui s'appelle Los Tostados, où on explique un petit peu le parcours qu'on a fait. On est allé travailler avec des producteurs, travailler avec des coopératives pendant 3-4 mois au Pérou et en Équateur. Et en rentrant, on voulait vraiment continuer dans le café. On s'est dit qu'il y avait vraiment des choses à faire. Aussi bien, en fait, le café, c'est génial parce que c'est un produit technique, mais à la fois du cœur. C'est une passion pour tout le monde. C'est un produit technique, mais on ne peut pas tout gérer comme en mécanique. On ne peut pas tout prévoir. C'est vivant. Donc, ça, c'est très beau aussi. Et en plus, c'est un produit via lequel, si on agit bien, on peut avoir un fort impact sur l'environnement et sur la vie des producteurs. Donc, un fort impact social aussi. Donc, c'est juste un levier énorme en fait de changement de ce qui se passe dans le monde, tout simplement. Et animé de tout ça, on a voulu continuer et on a rejoint notamment Florent Gou de Esperanza Café à Barcelone pour lancer Esperanza Café Barcelone.
C'est quoi Esperanza Café à Barcelone? C'est Et ben en fait, Esperanza Café à Barcelone, Flo, qui est un gars qui a une très belle manière de vivre, ben en fait, a monté Esperanza Café à Paris de loin, puisqu'il travaillait encore pour Cobb Coffees, lui, au Canada, à cette époque. Et en fait, il s'est dit, bah, je vais rentrer en Europe pour être plus proche d'Esperanza, etc. Mais c'est vrai que Paris, ça m'intéresse pas trop. Je préfère m'installer à Barcelone. Oh ben en Et du même coup, temps, Paris, Barcelone, bon écoute, voilà. Je quoi, pense qu'on est quoi d'accord, Paris, mais... Barcelone, qu'est-ce que vous avez, vous deux? Non, mais je trouve que c'est une belle manière de penser, de se dire, voilà, je vais quand même privilégier un petit peu, on va dire, je sais pas quoi, mon bien-être. Voilà, encore une fois, Oh, je désolé suis pas sûr d'avoir qu'aller à poussé le Barcelone souhait. ce soit un moyen de privilégier son bien-être. Hein. C'est sympa, tu vas courir sur la plage le matin, il fait frais. Non, mais c'est Ça surtout que va, ça plaît, quoi. moi tu me laisses une semaine à Barcelone, je finis sur un fond de trottoir alcoolique, addict à peu près toutes les drogues possibles et j'ai pas dormi depuis 6 jours, tu vois. Oui. Et obèse Bah, aussi. du coup, j'y ai vécu un an pour faire ça. J'ai tenu le coup. Je suis pas mort sur un fond de trottoir. Aïe Et en fait, avec Florent, du coup, j'ai appris plein de choses. J'ai beaucoup plus poussé la dégustation. J'ai appris à torréfier. Voilà, c'était hyper intéressant à aller aussi démarcher des cafés, des restos, etc. pour leur vendre du café. C'était très cool. Beaucoup de rencontres, beaucoup de fun. Et en fait, suite à ça, c'était quand même un projet un peu, enfin même complètement entrepreneurial. Et donc, je voulais essayer de gagner un peu mieux ma vie, Oui. tout en restant dans le café. Et en fait, j'ai vu une offre de Collaborative Coffee Source à ce moment-là à Oslo. Et du coup, j'en ai parlé à Flo pour lui dire, voilà, je vais faire ça. Donc, on va filer en Norvège. Donc, c'est comme ça qu'on a continué. Flo, lui, depuis, il a continué à Barcelone et tout se passe bien, ça se développe bien, donc ça fait plaisir. Ouais. Et j'ai rejoint, du coup, pour la première fois de ma vie, un importateur de café à Oslo, donc un monde que je connaissais un petit peu de loin, mais pas très bien. Un importateur de café de spécialité, on va le préciser aussi, ça aura son importance pour les discussions qui viennent, je pense. Oui. Et du coup, j'ai travaillé là-bas 2 ans. Je suis parti en août-septembre en gros 2019 pour rejoindre les équipes de Belco à Bordeaux. À Voilà Bordeaux, évidemment, meilleure ville de le France, hein, parcours, bien sûr, meilleure ça ne ville de change pas, France. hein, bien sûr. Ah, juste derrière Lyon, du coup, voilà, on précisera quand même, mais Ah, c'est oh vrai là que là là. Bordeaux, Moi, c'est je quand les, je peux, même. Oh là je veux bien consentir à les mettre sur un pied d'égalité. Joli. Franchement. Le problème, c'est que Lyon, Ça il me fait va. vraiment très froid en hiver. Moi, ça me. Ah, ça, voilà. Ça, voilà. Égalité, vendu. Égalité, on va dire. Ça Mais marche. ouais, voilà, super, super. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton travail au sein de ces structures d'importation? Ouais, alors quand j'ai rejoint Collaborative Coffee Source, ça a été pour enfin, participer à la vente en Europe des cafés. Ok. Donc en gros, mon travail était de connaître au maximum le catalogue de cafés qu'on avait, Ouais. connaître un petit peu les projets qu'il y avait derrière, et pouvoir aller en fait en parler, les présenter chez des torréfacteurs dans toute l'Europe, ou dans des événements dans toute l'Europe. Donc un boulot très cool. Je pense que ouais, c'est enfin si vous vous sentez de. Il y a un petit peu de pression évidemment, mais si vous aimez voyager, rencontrer plein de gens, goûter plein de cafés, voilà, apprendre beaucoup de choses sur le café, parce qu'il faut pouvoir parler de chaque un petit peu de chaque tasse, etc., de chaque projet, de chaque origine, c'est super enrichissant. Ouais, j'imagine que quand tu te retrouves face à des Auréliens qui te demandent moult et moult infos techniques, il faut savoir de quoi ils Ah parlent. là, il faut faire une diversion, là. Il faut Faut de la un lapin bière en sous le fait. chapeau, quelque chose. Ouais, Faut de faire la une bière, c'est bien. diversion. Pour Aurélien, si tu sors le pack de bière, c'est bon. Non mais ouais, typiquement, c'est vrai que tu croises des torréfacteurs ou des baristas, etc., plutôt pointilleux, t'en croises d'autres où faut vraiment faire preuve de pédagogie, repartir un petit peu de différentes bases. Et c'est ça qui est hyper important aussi, c'est que de toute façon, c'est sûr que tu connais pas tout non plus, donc c'est hyper important de dire, bon bah là en fait, là je peux pas te dire, laisse-moi t'envoyer un mail dans une semaine, peut-être quand je suis rentré, je demanderai à telle personne, et puis je pourrais te donner des Ouais. indications, quoi. Ouais, bon. Ça c'est clair. De toute façon, je pense qu'on le sait tous que quand tu commences à plonger dans le monde du café,
tu peux couler autant de temps que tu veux, tu toucheras jamais le fond, quoi. Il y a toujours autre chose après. C'est, ah oui, oui, bah c'est un peu fou, quoi. C'est clair. Donc voilà, on peut pas tout maîtriser, on peut pas tout savoir. C'est pour ça que c'est cool d'avoir une grosse équipe comme on est chez Belco aujourd'hui, parce que pour le coup, il y a plein de connaissances, de savoir où voilà, on peut toujours s'appuyer sur quelqu'un, quoi, pour avancer. Bref, et du coup, j'ai fait ça chez Collaborative Coffee Source, et ensuite. Du coup, j'ai été recruté chez Belco pour un petit peu continuer à faire ça. Donc, en fait, chez Belco, je vais avoir, j'ai deux casquettes. Okay. Je vais travailler avec l'équipe export, donc Alex Frémont et Gabi. Et donc, voilà, on va se partager des zones, mais essayer de vraiment travailler en équipe aussi, moins en mode perso sur chaque zone, mais vraiment s'épauler sur toute l'Europe de manière générale. Et 50% de mon temps va être plus passé sur aider la société et les gens qui travaillent déjà sur ces problématiques à développer encore plus les projets de durabilité qu'on a à l'origine, donc avec les producteurs avec qui on travaille, et en fait sur toute la supply chain dont on va pouvoir bientôt parler, je pense. Ouais, ouais. Voilà, sur l'ensemble du, on va dire, du coup de bêche du producteur dans la terre, à la livraison des sacs chez les torréfacteurs, quoi. Yes. Voilà. Yes, yes, yes. Ok, bah, déjà, sacré parcours, quand même. Ouais. Ouais. De designer des moteurs à être impliqué dans les problématiques d'agroforesterie à l'origine. Ah. Ouais. Bon. Ah ouais. Ouais, c'est super intéressant, c'est vraiment cool. Il s'en est passé des choses, dis donc. Ouais. Il y a eu un petit peu de chemin de parcours. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est faisable, quoi. On voit. Et pour le coup, je faisais une vanne sur l'université du café au tout début. Je pense que le café est un des seuls milieux aujourd'hui, enfin un des derniers, où c'est possible de faire ça, en fait. Justement, notamment parce qu'il n'y a pas d'université du café. Exactement. Oui. Et notamment en France, où on regarde toujours les diplômes, etc., pour pouvoir faire quelque chose, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Bah, peut-être que j'aurais pas pu faire ça s'il y avait eu une université du café. Et du coup, peut-être que plein de gens ne pourraient pas le faire, alors qu'aujourd'hui, plein de gens peuvent le faire. C'est sûr. Si vous voulez vous lancer, si vous voulez vous lancer dans une carrière dans le café, bah, vous pouvez. Vous pouvez. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est possible. C'est possible. Et alors, qu'est-ce qui a motivé votre choix quand vous êtes parti pour la première fois en pays producteur, donc à savoir sur l'Équateur, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'était Pérou-Équateur. Pérou-Équateur, ouais, ok. Mm-hmm. Alors en fait, la motivation, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on s'est rendu compte que, enfin, c'est quand même très flou le café quand tu vas dans un supermarché et que tu achètes un paquet bio, bon, même en France, enfin, quand tu achètes un légume bio, tu te poses des questions. Là, le café, il vient de tu sais pas où, donc tu peux encore plus te poser de questions. C'est très dur vraiment de savoir comment il a été produit, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire faire trade. Charlotte, ma compagne, était, elle, très intéressée par tout le côté impact social. Elle travaille dans l'économie sociale et solidaire encore aujourd'hui. Mmh. Et du coup, il y avait vraiment cet aspect qui l'intéressait, quels sont finalement les mécanismes, les leviers financiers, etc., qui fait que tu peux avoir un business profitable. Mais sans rendre d'autres gens pauvres ou sans déforester la moitié d'une forêt, etc. Ouais. Et donc voilà, ça c'était vraiment le genre de questions qu'on se posait. Donc en fait, on est parti, en fait, on s'est dit ce qu'il faut, c'est qu'on commence par le début. Qu'on aille voir des gens qui produisent du café, qu'on vive avec eux quelques semaines, qu'on aille voir des coopératives, qu'on aille travailler tous les jours chez eux aussi, voir ce qui se passe. Du coup, c'était vraiment ça le but, de comprendre vraiment la base de tout et d'essayer de comprendre si, ok, est-ce que éthique, c'est vraiment éthique, fair trade, qu'est-ce que ça veut dire en réalité, etc. etc. Mmh, mmh. Donc voilà, on s'est dit que le seul moyen de le savoir vraiment, c'est d'aller sur le terrain. Et vous avez probablement bien raison. Oui, je pense que c'était une bonne décision. Bon, oui, effectivement, ça a dû avoir un impact positif, je pense, sur la totalité de votre parcours qui est quand même super intéressant. Du coup, merci. La première question que j'aimerais te poser, c'est quand tu travailles pour un importateur, comment est-ce que tu vas aller chercher des nouveaux cafés verts?
sur quelle plateforme, entre guillemets, tu vas voir, tiens, il y a ça de nouveau, tiens, il y a la récolte de cette année-là, de cette ferme-là qui est sortie, tiens, je vais en prendre, et puis on va upgrader, etc., machin. Comment ça se passe à peu près? Bah, en fait, alors, pour, je pense que pour répondre à ta question, j'aimerais faire prendre un tout petit pas de recul Je t'en prie. et expliquer un petit peu ce que c'est qu'un importateur. Et en fait, aussi aujourd'hui, on parle d'importateur de café, notamment dans le milieu du café de spécialité. En fait, quand tu regardes la définition d'un importateur, j'ai regardé ce matin parce que je savais même pas, tu vois. Je me suis dit, tiens, on va Yes. parler de ça, c'est peut-être bien que je regarde la définition. En fait, c'est juste quelqu'un qui fait rentrer un bien ou un service d'un pays étranger dans son pays. Donc, si on regarde la chose comme ça, un importateur du café, c'est quelqu'un qui fait rentrer du café et qui évidemment n'est pas produit, par exemple en France, il le fait rentrer en France. Et clairement, je pense que tout le monde le sait, tous les gens qui travaillent dans l'industrie, les importateurs de café de spécialité, ils se limitent pas du tout à ça. Et comme tu le disais, comment tu trouves des cafés, t'as déjà évoqué des notions, celle de trouver du café, qu'on va appeler sourcer, sourcing, faire du sourcing. En fait, voilà, clairement, la plupart des importateurs aujourd'hui de specialty en Europe, ils sourcent et ils importent. Donc en fait, l'import, c'est une partie importante de notre travail, mais ce n'est pas du tout la seule partie de notre travail. Puisqu'avant, il y a comment tu vas trouver les cafés que tu vas importer, du C'est coup. ça, parce que ce qu'on a évoqué déjà dans plein d'émissions, c'est qu'il y a beaucoup de fermiers qui n'ont même pas idée de la qualité de ce qu'ils produisent et de à quel point ça peut être mis en valeur. Absolument. Complètement d'accord. Et ça, bah ça c'est un combat. Ça, je pense que c'est un combat. C'est-à-dire que donc pour sourcer, il y a plein de manières de sourcer. Je pense que sourcer, encore une fois, c'est comme là, on passe un peu à la partie donc plus à l'origine. Quand tu vas sourcer du café, quand tu vas chercher du café, il y a plein de manières de faire. Si tu veux, tu peux te dire bon, moi, je vais. Il y a la manière la plus simple, on va dire. Je vais voir un exportateur, un gros exportateur. Qui se trouve là-bas. Donc en fait, un exportateur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu le pendant de l'importateur de l'autre côté. Lui, il va avoir des cafés. On ne sait pas encore comment il les a trouvés, mais en tout cas, il les a. Ils sont posés sur une table. Tu vas cuper, tu vas venir pour cuper, et tu vas choisir des lots. Tu vas dire ah, ça, c'est hyper bon. Voilà. Et du coup, tu vas acheter ton café, l'importer. Ça, c'est une première manière de sourcer entre guillemets. C'est pas le plus beau sourcing, le plus profond, mais c'est déjà du sourcing. Finalement, tu vas chercher à une source qui est l'exportateur, et ensuite tu vas importer. Et ensuite, il y a, bah, en fait, il y a d'autres manières de sourcer. Tu peux descendre sourcer, par exemple, je sais pas, tu prends le cas de l'Éthiopie, tu peux descendre sourcer au niveau des coopératives, par exemple. Donc là, tu vas à la coopérative, tu vas sourcer avec eux leur café à eux, c'est-à-dire le café qui est produit par les producteurs de la coopérative. Et puis tu peux encore aller plus loin, c'est-à-dire que tu peux aller voir un producteur carrément. Donc là, tu es au niveau d'une ferme et tu vas toi-même goûter son café. Et là, tu fais vraiment du sourcing encore plus proche, encore plus profond, voilà, au niveau du producteur, quoi. Et c'est qui fait ça? Donc, il y a plein d'équipes, puisque un importateur, il doit du coup sourcer, comme on vient d'en parler, il doit importer, il doit gérer la logistique de l'origine au pays d'importation, il doit gérer la logistique de nos entrepôts à nos clients, il doit vendre le café, évidemment, mais il doit aussi accueillir des clients à l'origine, enfin, dans notre cas, aider les producteurs à changer leur pratique, que ce soit leur pratique de Eh qualité oui. ou leur pratique agronomique. Donc, en fait, tout ça, c'est plein de corps de métier. C'est pour ça qu'on est presque 40 chez Belco et avec tous Eh des oui. métiers Parce que là, du coup, hyper dedans, il y a différents. de l'économie, il y a de l'agroforesterie, il y a, enfin, il y a du, enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Ouais, clairement. Et c'est pour ça que c'est bien d'être beaucoup, parce que Ouais, du ouais. coup, il y a beaucoup de savoir à avoir, clairement. Et tu peux pas faire ça à quatre, quoi. En tout cas, Parce là, tout ce que qu'on fait aujourd'hui, tu peux pas le faire à quatre. on rigole là-dedans dans le chat, mais est-ce qu'il y a un mot français pour le sourcing? Est-ce que c'est Bah oui, sourcer. le sourcereur, le Non, c'est. Non, mais. Non, mais. Non, Ah, il y a des vannes mais. comme ça qui tombent là, je vois pas le live, c'est bon. Je le Mais. marque dans le salon. Non, mais les gars, en plus, c'est vraiment ça, c'est vraiment sourcer, en fait. Ouais, sourcer, Ouais. ouais. Donc le Bah, sourceur. ouais. Parce qu'en fait, faut le voir dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, le terme sourcer, c'est un terme français qui s'est francisé dans l'anglais, c'est pas l'inverse. En Ah, bah, fait, tu vois, nous, on. j'apprends quelque chose là. Cool. En fait, à la base, sourcer, c'est quand. Si vous avez déjà vu ces gens-là, si un jour vous allez dans les campagnes avec encore des trucs un peu
un peu à l'ancienne. Ils prennent un bâton avec trois extrémités, ils vont chercher l'eau, comme ça. On appelle ça des sourceurs. Et en fait, c'est les gens qui cherchent les sources. Voilà. Oula. Ouh, y a oui. Eu... Voilà. Mais, mais du coup, ouais, voilà. Bah, sourceur, du coup. On a notre réponse. Voilà. Sourcier. Ah oui, sourcier, pardon. Oui, merci. Sourcier. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, les gars. Ah putain, heureusement qu'ils sont là. Hein. Putain, heureusement. Ah, mais les gars, là. Les gars, ils sont Mais d'ailleurs, de mémoire, Orgoth a des sourciers dans sa famille s'il l'est pas un petit peu lui-même, de mémoire. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il s'accroche au terme. Salut Orgoth. Et voilà, c'est et, ça. Et bah, les sourciers, du coup. Ben voilà, mais si jamais tu cherches un travail dans le café, et ben voilà, il est tout trouvé. Il est tout trouvé. si tu veux aller chercher de la Montcalm Premium, on est d'accord. Encore. Ah oui, oui, à nous on prend, hein, bien sûr. Hein. On prend direct. Hein. Big up aux sourciers qui nous regardent, évidemment. Évidemment. C'est dit. Très bien. Non, et du coup, pour sourcer, aujourd'hui, concrètement, opérationnellement, comment ça se passe chez des importateurs? Bah selon les moyens que l'importateur souhaite mettre dans son sourcing, soit ça va être des voyages tous les ans, par exemple, je sais pas, un voyage de 2 semaines, 1 mois, je dis n'importe quoi, en Éthiopie, pour aller voir tous les acteurs, pour vraiment rester longtemps, essayer de comprendre un petit peu, et puis faire tous ses achats à ce moment-là. Donc ça, on va dire que c'est pas mal, mais ça te permet quand même pas de contrôler hyper bien ta chaîne de valeur, je trouve, vraiment, qu'est-ce qui a été fait ou pas, t'assurer qu'on dit la vérité aussi. Des fois, il y a forcément, enfin, il y a des gens honnêtes, il y a des gens un peu moins honnêtes, comme partout. Du coup, il y a des gens qui vont peut-être te dire des choses inexactes, pas parce qu'ils veulent te dire des choses inexactes, mais parce que soit ils n'ont pas bien compris, soit toi, tu les as pas bien compris. Quand tu parles avec des gens d'Éthiopie, etc., c'est... Même si tu parles anglais, si on parle anglais ensemble, des fois, c'est un peu compliqué de les tournures de phrases ou même la culture, etc. Faut pas dire les choses exactement comme toi tu le comprends ou tu l'aurais dit. Donc, il peut y avoir des mauvaises interprétations. Puis, il y a des gens aussi qui vont essayer de profiter d'un système. Comme tu disais tout à l'heure, Théo, souvent, il y a des producteurs qui produisent du bon café, ils le savent même pas. Y a parfois des exportateurs qui vont se dire, ok, bah c'est... Ils le savent pas, donc à la limite, moi, je vais c'est une excellente écrémer... occasion pour ne pas dépenser de la thune. Non, mais voilà, exactement. Je vais écrémer leur café, je vais voir les meilleurs, je vais les vendre cher, et je vais pas spécialement leur rendre plus d'argent a posteriori, alors que j'ai vendu leur le plus cher. Finalement, en fait, le gars valorise lui-même son travail d'écrémage sans se dire après, bon, il y avait aussi un travail de production derrière, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, vas-y, du coup, Nico. Non, et après, il y a différents modèles. Du coup, celui où tu voyages comme ça, par-ci, par-là, durant l'année. Et puis, les modèles, comme ce qu'on a réussi à faire, ce que Belco a réussi à faire en Éthiopie, au Salvador et en Colombie aussi maintenant, c'est des modèles où vraiment tu bâtis ce qu'on va appeler une agence, mais en fait, c'est une équipe qui est là-bas, qui est vraiment à l'origine toute l'année. Elle est sur place. Du coup, elle peut. Enfin, c'est en fait, c'est extrêmement puissant. Moi, venant d'un importateur plus petit où on n'avait pas d'équipe sur place, je vois la différence en fait de facilité de travail, de puissance à sortir de l'information, aussi bien pour nous sur les lots qu'on a déjà, mais aussi pour eux. En permanence, ils sont là-bas, donc ils entendent parler de producteurs, ils entendent parler de régions, en discutant, enfin, il y a un peu du bouche à oreille, je pense, on trouve du café, comment on va sourcer. Alors après, moi-même, je ne fais pas partie de l'équipe de sourcing, donc peut-être que Angel ou Jacques en Éthiopie, etc., pourront plus t'expliquer comment ils sourcent, comment ils se débrouillent, comment ils ont l'information. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de bouche à oreille, de connaissances, de réseaux. Et plus tu vis longtemps dans un endroit, plus tu peux faire un réseau important. Ça permet aussi de contrôler que l'information que tu as, c'est la bonne. Ouais, bien sûr. Quand tu achètes un café, d'aller voir aussi les producteurs avec qui tu travailles tout au long de l'année, pas juste quand tu vas leur acheter du café. Mais tu vas aller les voir à d'autres moments, s'assurer que tout va bien, comment est la saison, enfin c'est des choses toutes bêtes, mais hyper intéressantes. Là, dans le chat, il y a Alice qui soulève des points super intéressants. Elle nous dit déjà, bon, dénicher un bon café, c'est une chose, mais l'acheminer jusque chez toi, c'est pas exactement la même chose. Enfin, c'est une autre histoire déjà. Ensuite, elle nous dit aussi, très souvent, quand on est sur place, donc on est emballé par ce qu'on voit, par tout ce qu'on apprend, etc. Mais en contrepartie, les producteurs, ils peuvent s'attendre à ce qu'on leur achète directement tout ou une partie de leur café. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Tout à fait.
Et donc du Donc, coup, comment est-ce que tu gères toute cette partie-là quand vous rencontrez des producteurs? Est-ce que du coup, vous allez directement, c'est quelqu'un de chez Belco par exemple qui va les voir et qui leur dit, bon ben voilà, vous allez vendre vos lots à telle personne avec qui nous on travaille pour les récupérer chez nous? Ou est-ce que vous pouvez aller directement chercher chez le producteur? Donc en fait ça dépend pas mal. Souvent, enfin, soit par exemple chez Belco, on importe à peu près 450 containers par an. Donc c'est hyper dur d'aller voir tous les producteurs qui vont être impliqués dans ces 450 containers. Alors, Donc c'est 450 containers, écoute, moi j'utilise le système métrique, si tu veux. Donc, il va falloir nous donner un petit Tu ordre fais d'idée de ce que ça représente. à peu près 20 tonnes par container. Bah, Ok. 18 quoi, donc je sais pas, faut faire le calcul. Alors, 18 multiplié par 450, donc. Voilà. Ça nous fait donc 8100 tonnes de café importées par an. Bon, voilà, je pense que c'est pas loin de la vérité. Voilà. Voilà. Donc il y a quelques grains là-dedans. Ouais, il y en a un peu, ouais. Et du coup, en fait, je pense que le premier step du sourcing, ce serait de dire, bon, bah, je crée un réseau de personnes, donc par exemple d'exportateurs aussi, en qui j'ai confiance, enfin, que j'ai rencontré, qui partagent notamment des valeurs communes. En qui je vais pouvoir placer ma confiance pour que quand il me dit OK, ce lot, je l'ai acheté là à telle personne, je l'ai payé tel prix, il était produit de telle manière, je puisse dire OK, c'est vrai. Enfin, je te fais confiance. Après, ce qu'on essaie de faire, c'est que même quand on a confiance en les personnes avec qui on travaille, on va quand même essayer d'aller avec elles sur le terrain pour ben, voir déjà parce qu'on est curieux, parce qu'il y a plein de producteurs qui ont plein de manières hyper originales de produire. Donc nous, on a envie d'apprendre de tout ça. Et puis, on veut quand même s'assurer que ce soit la vérité. Des fois, c'est plus dur, des fois, c'est très simple. Et en fait, du coup, doucement, quand tu arrives à te développer et avoir une stratégie économique, environnementale, etc., durable, tu arrives à développer toi-même tes propres réseaux. Par exemple, les agences qu'on crée à l'origine, bah, du coup, ça fait que là, c'est un peu notre propre réseau. Donc forcément, on va pas se mentir, entre employés de Belco, Diego en Colombie, donc qui nous a rejoint l'année dernière pour gérer du coup l'agence de Colombie, qui connaît, c'est son pays, il le connaît par cœur, il connaît, pour avoir voyagé avec lui une semaine en Colombie, à chaque fois qu'on passait sur une route, qu'on rencontrait un producteur, le gars il lui disait salut quoi. Enfin, c'est incroyable qu'il connaît absolument tout le monde. Et ben là, tu vas avoir vraiment de l'information où tu es 100% sûr de ton info. Ouais, c'est ça. Donc tu C'est es une grande 100% chaîne sûr de ton humaine, quoi. impact. Ouais, c'est une grande chaîne humaine, exactement. Et pour revenir sur le point d'Alice, est-ce que c'est Alice Bourdelle au passage ou... Parce que Peut-être, je ne sais pas. peut-être que oui, ok. Si jamais, salut Alice. Et si c'est d'ailleurs, c'est pas Alice Bourdelle et que c'est une autre Alice, bah, salut Alice quand même. Oui, c'est Voilà. visiblement, c'est elle, elle confirme. Ok, bah plaisir. Salut Alice du coup. Et bah voilà, Alice sera peut-être une personne aussi que tu pourras faire intervenir dans une autre émission potentiellement. Voilà, Allez, qui a aussi on en parlera. travaillé dans l'import, etc. En tout cas, Louis, logistiquement parlant, c'est vrai que c'est pas une mince affaire de sortir du café de là où il est produit. Et en fait, il y a deux mêmes contraintes logistiques, je pense. La première, c'est de sortir, quand tu ramasses les cerises, de les amener là où elles vont être processées, là où elles vont être traitées. Donc, bon, washed, natural, etc. Voilà, Oui, les grands traitements, quoi. les gens savent, hein. On a fait les émissions Voilà. dans l'ordre, ils savent. Cool. Cool. Et Yann, pour les Merci. questions que tu poses, je t'invite à regarder l'émission avec Dayo pour toutes ces parties-là. On avait pas mal abordé ça. Ok. Voilà. Je vois pas les questions du coup, mais voilà, Je il t'en y a cette prie. émission-là. Et du coup, en fait, c'est vrai que tu as un petit challenge au début pour assez vite amener les cerises là où elles vont devoir être processées. Tu as des caféiers qui poussent sur des pentes à, je sais pas, 45%, enfin, c'est hallucinant. Tu sais pas comment ils tiennent là-dessus, les gars, où il n'y a pas de chemin, c'est que de la terre, c'est que de la boue, parce qu'il a plu. Donc, c'est qu'un mulet qui peut amener les cerises à la station de lavage, etc. Ouais, c'est un peu comme la Donc, Creuse, quoi. ouais. C'est à peu près ça, ouais. Nice. Exactement. Non, mais du coup, là, tu as un petit challenge timing, parce que tu peux pas laisser ton café trop longtemps, Eh tes oui. cerises trop longtemps, comme ça que tu viens de ramasser. Tu as quelques heures, on va dire jusqu'à peut-être 24 heures, pour les amener
quelque part un endroit, bon, tu as une petite fermentation dans ce cas-là qui a commencé, etc. Mais bon, ça va donner aussi un style au café. Et puis, tu as la logistique, effectivement, une fois que tu as produit tous tes cafés, enfin, une fois que tu as produit ton café sec, on va dire ton pergamino, ton café parche, bah là, il faut le sortir, l'amener à un endroit où il va pouvoir être exporté, ou un hub logistique au moins avant le port d'exportation. Et là, ça peut aussi être compliqué, prendre des jours et des jours. Je sais pas, le Burundi, par exemple, c'est hyper compliqué logistiquement. Ouais, parce que c'est pas vraiment près de la mer, quoi. Origine. Voilà, exactement. C'est pas du tout près de la mer. Et d'ailleurs, c'est pas, ils ont aucune côte, donc il faut que tu traverses d'autres pays. Enfin, tout un bazar dans lequel j'ai la chance de, pour lequel j'ai la chance de ne pas travailler sur cette partie logistique, tu vois. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont spécialisés pour faire ça, du coup, chez nous. Et, oui. Et grand merci à eux de gérer ça avec les partenaires, évidemment, qui sont à l'origine, etc. Évidemment. Voilà, c'est vrai que c'est très compliqué, comme Alice disait, t'as ton café quelque part, c'est hyper compliqué de l'avoir ensuite dans ton coffee shop, quoi. C'est tout un process. La chaîne, elle est assez vénère. Et du coup, je vais te poser une question qu'on nous avait posée sur un précédent live. Pourquoi est-ce qu'on n'importe pas le café par avion ? Bah alors déjà, la personne qui a posé cette question, il faut qu'elle comprenne qu'il y a deux choses qui vont nous arriver dans la tronche qui vont faire très très mal, qui s'appellent le changement climatique et l'extinction de la biodiversité, et qu'on n'importe pas par avion parce que c'est tellement des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de café que si on le faisait, on multiplierait, je pense, par 12 le nombre d'avions qui volent dans le ciel juste pour le café. Ouais, parce que le café, on rappelle que c'est une des ressources les plus échangées au monde avec le pétrole. Pétrole. Et oui, donc c'est une quantité. Alors déjà que bon, le fret, les bateaux de fret, c'est pas incroyable hein, au niveau empreinte carbone. Alors si en plus on le faisait par avion, voilà, on va dire que les bateaux de fret c'est polluant, mais par kilo de matière transportée, c'est de loin le plus efficace qu'on ait. Et alors voilà, si on le faisait par avion, on ferait exploser ce qu'on dépense en carbone d'une manière hallucinante, quoi, c'est clair. Ouais, là, du coup, un petit espresso à 15 balles, là, ça ferait plaisir. Clairement. Ça ferait plaisir. Mais surtout, est-ce que ça te ferait plaisir de. Tu vois, il y a aussi une autre notion, je trouve, dans. Et nous, c'est le rôle d'un importateur, je pense. Il y a une notion, c'est que est-ce que ça te ferait plaisir de te dire, tiens, ce café que je bois, il est délicieux. Mais putain, mais alors qu'est-ce qu'il a pollué l'environnement, tu vois, c'est enfin, le kiff, quoi. Donc, tu vois, il y a toujours, je trouve, une question à se poser. Et nous, c'est quelque chose aussi qui a fait que j'ai vraiment eu très envie de rejoindre Belco. Parce que Alex Bélanger et Angel m'ont parlé. Et au début, ils m'en ont parlé. Donc, on va dire que j'aurais fait confiance jusqu'à ce que je vois en acte ce qui se passe. Avant de les rejoindre, tu vois, et ils m'ont parlé de tout ce côté durabilité qu'ils avaient et les actions qu'ils voulaient mettre en place, et je pense que toute l'équipe est vraiment à fond derrière tout ça. C'est se dire, bon, maintenant, c'est bien cool de boire un 88 plus du Kenya, etc., mais comment il a été produit, ce café, en fait? Oui. Tu vois, parce que pour le coup, même s'il était importé par avion avec une empreinte carbone dégueulasse, il pourrait toujours avoir le label bio. Exactement, typiquement. Ah, voilà. Et bio, il a le label bio, mais il peut toujours avoir déforesté 150 hectares de forêt. Oui, aussi. Tu peux être bio en ayant fait ça, tu vois. Donc, tu vois, la question, là, tu commences à rentrer dans des questions un peu plus philosophiques, un peu plus de valeurs profondes. Moi, personnellement, tu peux m'appeler, je sais pas, un écolo, je sais pas, un truc. Enfin, pour moi, je pense que ce qu'on. Voilà, encore une fois, on va se prendre des très très beaux chocs dans la tronche dans les prochaines années, je pense, dû au changement climatique, à l'extinction de la biodiversité. C'est bizarre de dire ça même de ma bouche, parce que j'ai du mal à voir ce que ça va donner. Mais sincèrement, pourtant je suis quelqu'un d'optimiste, hein, mais juste avec un tout petit peu de lucidité sur les choses, sur les rapports qu'on a, scientifiques, etc., ben, on va pas se marrer, ça va être vraiment, vraiment costaud. Je le dis avec le sourire, mais bon, voilà. Et du coup, je pense que chaque entreprise, qu'elle fasse du café ou autre chose, hein, n'importe quoi, doit avoir des actions fortes dans sa propre chaîne de valeur, et peut-être aussi hors de sa chaîne de valeur, parce que les États, hélas, ne prennent pas d'actions fortes. Mais au moins dans sa propre chaîne de valeur, doit avoir des actions fortes pour limiter ses impacts destructeurs, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Et de toute façon, les deux sont extrêmement liés.
Et aussi, c'est se dire, voilà, déjà, je ne transporte pas mon avion par avion, ça c'est mon café par avion, je le transporte par bateau. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions peut-être aussi pour le transporter d'une autre manière, par exemple en bateau à voile? Ça paraît un petit peu fou ce que je dis, Ah non, ça m'intéresse, ça. Ça mais m'intéresse. d'ici, on a signé, Belco a signé une lettre d'intention auprès d'une société qui s'appelle Tote, qui est une société qui est basée en Bretagne de mémoire, donc en français. Les Bretons, bien sûr. Coucou Tote, Stéphane! Coucou j'aime Stéphane! beaucoup les vannes entre régions françaises. On a eu la Corrèze, on a eu la Creuse, les Bretons. Bref, non, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que Tote, ils ont commencé par un modèle tout simple, assez petite échelle. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui font des voyages en voilier. Est-ce qu'on peut pas leur dire, eh ben, prenez cette cargaison de ça, par exemple de rhum, dans tel pays, et amenez-la dans tel autre pays parce qu'on en a besoin. Et donc, en fait, tu commences à décarboner totalement du transport. Et là, ils sont passés à une autre étape, parce que bon, là, c'était très ponctuel, quelques centaines de kilos. Là, ils sont passés à une autre étape où ils sont en train de construire des voiliers géants pour transporter des centaines de tonnes de fret, quoi. Vas-y, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Donne-moi le nom, je vais essayer de trouver des photos. TOWT. Je pense que tu tapes ça, ça va, Ok, ils vont trouver facilement. voilier cargo. Oui, monsieur, monsieur. Oh Yes. là 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 là. Ah, ça, c'est beau, ça. Bah ça, tu vois, ça c'est le projet, comme tu dis, qui est beau, que chez Belco on trouve beau. Et Ouais. du coup, on a signé une lettre d'intention qui explique, en gros, les premiers voiliers doivent être sur la mer en 2022. Et ben on a dit, OK, le jour où, enfin, quand vous avez un bateau sur l'eau, nous on mettra du café dedans. Ok. Ça c'est clair et net. Et donc, voilà, alors il y a des routes, ça va commencer par quelques routes seulement, hein, tu vas pas n'importe où avec un voilier, faut que tu optimises à fond si tu veux pas que ton kilo de café il coûte 125 euros de transport, Ben, c'est ça. concrètement. Mais du coup, c'est pas du tout déconnant comme prix de transport, c'est un peu plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui, enfin c'est clairement plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui, mais de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que ça aussi, c'est, on va dire, un engagement un petit peu courageux de croire en l'avenir. Et de se dire, en fait, ça, aujourd'hui, c'est plus cher. Mais de toute façon, les taxes, notamment sur le gaz, enfin, sur le fuel lourd qui est utilisé dans les bateaux de Ouais, transport, ça va elles tellement augmentent exploser tellement. que... Exactement. Elles ont déjà augmenté. Ça a été genre fois 4, je crois, là, en 2020. Ah Ou fois yes. 3, je ne suis pas expert, mais fois quelque chose, en tout cas, ça a bien augmenté en 2020. Donc, quoi qu'il en soit, mon coût de transport, il va faire qu'augmenter avec les années. Donc, je vais bientôt arriver à ce coût de transport-là que j'ai à la voile. Sauf qu'à la voile, bah, en fait, bah, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que ça emballe un petit peu tout le monde de se dire que ce café, il est arrivé à la voile, quoi. Mais alors par contre... Moi, je me pose une question, c'est comment est-ce que tu maintiens la qualité de ton grain verre sur un voyage qui est du coup logiquement plus long? Ouais, mais alors, c'est pas beaucoup plus long. On parle de Ok. quelques jours en plus. Ah ouais. Ouais. Euh, Oh. ouais, ouais, on parle de quelques jours en plus, ou peut-être une dizaine de jours en plus, mais à tout casser. Il s'avère qu'en fait, ils ont prévu des cales où la température est à peu près maîtrisée, donc c'est pas réfrigéré non plus, mais qu'il n'y ait pas 55 degrés dans les cales, quoi. Ok. Mais du coup, comme c'est des cales aussi, c'est pas des containers qui sont posés sur un dock, sur un pont, donc c'était beaucoup moins en plein soleil, comme tu peux Ah. l'être sur un bateau de transport, quoi. C'est intéressant ça. C'est Ouais, intéressant. c'est passionnant, quoi. Là, tu te dis que tu peux faire un vrai changement, quoi. Ouais. Tu peux vraiment avoir un impact top. Tu voulais dire quelque chose, Tom? Ah non, là je me laisse transporter là. Tu hisses les voiles et tu te laisses Ah transporter, c'est oui, ça? ah Bah putain, totalement, bah avec ICO les gars. des projets comme ça. Non, puis Ouais. bon, en plus, moi je suis heureux parce que je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bons cafés moussonnés. Donc moi je trouve ça bien, tu vois, qu'on va retrouver ce petit saveur grâce au voilier. Moi je vous dis merci. Alors, moi y a, T'inquiète là il pas, y a ton plein café il sera plein au de top. questions super intéressantes dans le chat, c'est trop bien. Il y a Fitzgerald qui nous demande est-ce qu'il y a des adaptations à prévoir au niveau des infrastructures portuaires pour ce genre de truc, notamment au niveau des docks, des grues de déchargement, etc. Ouais, super intéressant comme question pour le coup. Alors je pense que ce que fait Tote, c'est que là, en fait, ils ont une. Déjà, ils savent par quel port ils vont passer pour leur première route. Ouais. Donc en fait, ils s'assurent qu'ils soient adaptés, que leur bateau soit adapté un maximum au port sur lequel ils vont arriver. Donc on va Parce que peut-être je créer pense des que nouvelles routes clairement. du café, du coup. Ben, De par les oui, alors infrastructures, en fait.
Oui et non, parce que les routes quand même commerciales actuelles sont hyper, on va dire, efficientes. Oui. On a tellement d'expérience sur le transport Oui. maritime depuis des centaines d'années que là, c'est Oui. des routes très efficientes. Après, il y aura aussi la limitation particulière, enfin, on va dire une contrainte supplémentaire qui va être prendre les vents en compte. Pour, Ben euh, oui, bon. ouais. Donc là, tu es vraiment dans les navigations poussées. Je pense qu'il va y avoir des routes hyper efficientes qui vont être prises à Ah, je trouve fond. ça trop bien. Ça va... Quand... Ah Si non, mais ça c'est se met en génial. place, ça va Non, devenir le non, One Piece, les gars. C'est mais. C'est vraiment. On clair. va tous se On y foutre sur va, les on y va, on bateaux balaye ça. et, et là, on est Ah non, parti, mais. là. Je suis d'accord que c'est magnifique. Toad, c'est une boîte que je suis depuis longtemps. Et quand je suis arrivé chez Belco et que, voilà, qu'ils m'ont expliqué que. Voilà, on était en cours de discussion, nanana, et que là, bah, tout récemment, du coup, il y a eu la lettre d'intention qui a été signée. Voilà, c'était juste magnifique, quoi. Et du coup, je rebondis sur une question de Rastartup. Rastartup qui est au taquet hein, sur ces questions-là, parce que Rastartup, il a un petit background dans logistique. Du coup, voilà, il est au taquet. Il nous demande, est-ce que la capacité de transport n'est pas vachement diminuée, du coup, vu que tu fonctionnes avec des cales? Si. Alors, en fait, je pense que tu vas transporter, je sais pas, facilement 10 fois moins qu'un gros porte-conteneurs, mais tu vas quand même transporter des centaines de tonnes, donc tu arrives quand même à t'en sortir à peu près sur ton coût. C'est bien moindre, et même tu embarques en principe. Bon, alors tout ça, c'est des détails techniques que j'ai pas, mais potentiellement tu n'embarqueras pas des conteneurs, mais des palettes qui vont être calées d'une certaine manière, etc., dans la cale. Voilà, c'est tout ça, c'est des détails techniques. Que déjà je les maîtrise pas, je les ai pas tous, c'est plus Tote ça qui pourrait répondre. Bien sûr. Donc voilà, vous pouvez aussi les contacter. Oh, mais je note, Il hein. serait, il serait content Je de. note parce que Je pense qu'il ça me serait plaît, content de ça. savoir Ah, on qu'on fera buzz. complètement une émission One Piece avec les mecs de Ah Toth. Les pirates, trop bien. Trop bien, trop et du bien. coup, ça c'est une manière en tant qu'importateur d'avoir un impact sur sa supply chain. L'autre manière, évidemment, c'est de. Où il y a deux actions fortes, en fait. C'est un, de. Pas de pousser, parce que c'est important que les producteurs, en fait, ils fassent ce qu'ils veulent eux, et pas que tu leur imposes quoi que ce soit, mais de les inciter à utiliser des manières plus durables de production de café. Donc, si le mec essaie tout déforester, pesticides, engrais, tu vas peut-être commencer par lui dire, viens, on essaie de faire du bio. Si le mec, il est déjà en bio, tu Viens, vas peut-être viens, lui on dire, bah écoute. arrête. Non, voilà, Viens, on arrête. on se marre, mais STP. c'est la plupart de l'agriculture dans le monde, quoi que ce soit, et beaucoup, beaucoup de producteurs de café, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc voilà, c'est déforesté et rempli de pesticides et Oui, d'engrais. ben. Donc, non, mais c'est quand même. Non, Putain, mais mais. justement, et du coup, Moi, ça me. comment est-ce que vous pouvez incentiver Ouais, ce incentiver, changement-là? est-ce que Ça c'est se pas un dit magnifique ça? anglicisme? Je sais Ah, pas. si, peut-être, si, peut-être, mais c'est pas grave. Incentiver, ouais. Comment tu peux? Bah, en fait, déjà, faut que tu rencontres des gens qui ont déjà envie, en fait, de se dire, qui sont déjà dans une démarche où ils se disent, en fait, c'est pas parfait ce que je fais, faut que je fasse mieux. Donc, quel que soit le stade où ils en sont, hein, nous, on est prêt à soutenir tout le monde tant qu'il y a vraiment une volonté de faire mieux que ce qui est fait actuellement en termes d'impact environnemental. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va soutenir. Si le mec, il fait pour l'instant, c'est déforesté et qu'il est à l'engrais chimique et tout. Mais qui dit, bah non, moi je suis OK pour qu'on fasse une transition vers le bio avec de l'agroforesterie, etc. On lui dit, bah go, on va t'aider, tu vois. Parce qu'on voit qu'on peut améliorer quelque chose quelque part. Si le gars, c'est juste qu'il a déjà, je sais pas, je vois en Éthiopie par exemple, des producteurs qui travaillent sous couvert forestier de forêts primaires éthiopiennes absolument magnifiques, des cafés de forêt. Eux, si tu veux, eux, on leur a rien amené. Ils faisaient ça déjà, eux, on leur a rien appris. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a aidés à valoriser leur. Du coup, on a travaillé avec eux, on les a aidés peut-être à améliorer un petit peu la qualité de leur tasse, parce que agronomiquement parlant, c'est juste magnifique ce qu'ils font. Voilà, ils se servent de la forêt comme de l'endroit naturel où les caféiers poussent pour que ça pousse bien avec un super profil, etc. On leur a juste trouvé un marché finalement. On peut voir ça comme ça, enfin juste. On a créé aussi plein de choses, on les a aidés à devenir exportateurs. Bon, il y a plein de choses qu'on a faites. Ouais, c'est ça. Donc en Mais. gros, en ayant des un impact social de manière générale et en ayant un impact de valorisation, ça de soi, ça va créer une augmentation de la qualité moyenne. Tout à fait, tout à fait. Et ça va créer moins d'impact négatif sur l'environnement dans Sur lequel ils produisent. l'environnement, ouais.
Ah, c'est super intéressant ça. Et ce qui est aussi fondamental, je pense, parce qu'aujourd'hui, bon, on a tous lu plus ou moins de près ou de loin des rapports qui expliquent qu'avec le changement climatique, les zones où le café va pousser, il y en a certaines qui vont disparaître, certaines qui vont apparaître, etc. Tu vas devoir aller de plus en plus haut en altitude. Bon, il y a un moment donné, on ne pourra pas aller plus haut que ce qui existe sur Terre, donc voilà. Eh ben oui. Mais en tout cas, replanter des arbres sur ta parcelle, si possible, créer une biodiversité, créer vraiment une diversité d'espèces d'arbres que tu vas planter, etc. Ça va largement t'aider à au moins atténuer les effets du réchauffement climatique localement sur ta parcelle. Et si tu arrives à emmener d'autres producteurs avec toi, autour de toi, bah, ça va clairement être un impact sur la région, donc un impact bien plus important. Et en fait, tu auras certainement bien plus d'années de production encore sur place que quelqu'un qui a une parcelle complètement déforestée Et tu avec vas une terre permettre qui aussi un maintien, je suppose, du terroir, parce que si tu plus tu vas avoir de diversité, plus ça va nourrir les sols. Absolument, Donc, absolument. Plus ça va nourrir les sols. En toutes ces choses, en tous les oligo-éléments font que ce que tu peux en tirer est bon, comme du café ou n'importe quoi d'autre. Donc effectivement, c'est hyper important. Je me rappelle, j'ai des souvenirs un peu de loin aussi, mais l'année dernière au Nordic Roasters Forum à Oslo, il y avait un chercheur qui s'appelle Anders Nielsen qui travaille à l'université d'Oslo. Et lui, sa spécialité, c'était la pollinisation. Ok, Donc il nous parlait les abeilles, de hein. différentes choses. Ouais, du coup, abeilles, ouais. Exactement. Il nous disait déjà que les abeilles domestiques, les abeilles à miel, c'est qu'une espèce parmi 25 000 espèces d'abeilles, et que c'est hyper important en fait d'avoir une grande diversité aussi de pollinisateurs différents, pas que des abeilles domestiques à miel. Et il nous disait qu'en fait, ils avaient clairement noté des changements de productivité et de profil sensoriel, c'est-à-dire de goût. Alors là, c'était sur des légumes, c'était pas sur le café exactement. Ouais, mais. Mais des parcelles avec des parcelles sans pollinisateurs et des parcelles pleines de pollinisateurs, etc., très différenciées. Et ben en fait, les légumes, ils étaient bien meilleurs, même c'est fou quoi, mais le goût était Donc ça, différent on et ce que prend tu note, trouvais hein. dedans Quand était on différent. fera notre serveur Minecraft où on recrée toute la chaîne du café dans le jeu, il faudra des abeilles. Abeilles qui ont été ajoutées dans la dernière Ah, mise à jour en date, dans la 1.15. Donc il on faut que tu mettes rajoutera des abeilles. 25 000 espèces d'abeilles, mon gars. Alors, Ouais, et un dans peu le de jeu, il n'y en taf. a qu'une, donc Mais calmez-vous. tu vois, Nico, ce que tu dis, c'est exceptionnel parce que au Costa Rica, moi j'avais vraiment vu ça. J'ai un producteur qui avait justement mis sur l'ensemble de sa parcelle, je crois, il m'avait dit 15 ou 20 espèces différentes d'abeilles, Ouais. dispersées de manière vraiment précise. Et c'est vrai qu'effectivement, non, mais c'est vrai que les résultats, pour juste en cerise de café, je sais pas si tu as déjà, enfin, j'imagine que tu as déjà mangé une cerise de café, Ouais, donc ouais, tu vois le goût que ça. Bah, je peux te dire que j'ai jamais goûté des cerises aussi sucrées et fruitées. Mais vraiment, c'était un fruit, c'était pas simplement on va dire Ouais, un jus, un un jus. sucre, ouais. Voilà, c'était vraiment un Ouais, fruit ouais. avec vraiment une chair beaucoup beaucoup plus épaisse que ce que j'avais pu voir auparavant. Bah ça, bon, ça, il y a l'impact évidemment de la variété du café, mais clairement, c'est tout à fait, ça me paraît complètement plausible que ce soit aussi un Ah impact voilà, ben. des différentes espèces qu'il y a eu de pollinisateurs autour. Ah bah, c'est plein d'impacts qu'il y a eu qui sont mis en fait en chaîne. Mais c'est vrai qu'effectivement, je voyais par exemple tu as d'autres personnes qui travaillaient avec des eaux spécifiques ou en tout cas une irrigation particulière avec voilà un soin des sols, on va dire à peu près similaire, mais qui n'avait pas ce système de pollinisation. Et effectivement, c'est vraiment sur du catouaille par exemple, qui est quand même pas l'espèce qui produit on va dire le plus de chair. Là vraiment, on avait quelque chose de charnu quoi. C'était vraiment c'était un beau bébé quoi. C'est beau ce que tu as pu observer aussi, quoi. C'est cool, hein. Ouais, mais Mais ça, c'est... je pense que le plus on peut partager ce genre d'expérience, d'études, etc., le plus on va sensibiliser. Parce que voilà, du coup, je disais qu'il y avait deux grandes choses qui sont un peu incentiver les producteurs à mieux faire, mais du coup aussi certainement payer plus cher leur café, mais aussi faire comprendre aux consommateurs, nous ici, tous les gens du specialty et même du non-specialty. Mais déjà, commençons par le specialty, je pense qu'on n'est pas conscient de notre specialty. Aujourd'hui, on a trop, à mon goût, hein, c'est un avis, après chacun a son avis, mais on a trop tendance à trop se focaliser sur un score en tasse. Et voilà, et on oublie, c'est comme le truc, ah, ça vient, c'est transporté en avion, ma tasse, c'est cool. Bah là, c'est trop bon, et on a déforesté 150 hectares pour faire cette tasse, tu Bah vois. ouais, non, mais c'est Mais c'est clair. trop bon. Bah, c'est complètement absurde pour moi. Et du coup, je pense que. Alors, je sais pas si. C'est quoi la définition du specialty? Il y a eu pas mal de débats dernièrement un peu lancés là-dessus, assez intéressant. Pour moi, si t'as pas côté durabilité dedans, durabilité sociale, hein, et environnementale, bah ça sert à rien de faire une tasse qui cup 86 quoi.
Je trouve que enfin, je préfère franchement boire un truc moins bon, où je sais que Ah, ça va pardon. pas tout défoncer. Ça va pas tout défoncer autour de soi, tu vois, et Ouais. qu'un 86. Alors après, ce qui est cool, c'est quand tu bosses avec des producteurs qui ont des bonnes pratiques agronomiques, mais qui n'ont pas encore la meilleure qualité, finalement, faire monter la qualité, c'est compliqué, hein, mais c'est pas le truc le plus dur. Je pense que c'est moins dur que changer toutes les pratiques agronomiques d'une ferme. Ouais. Tu vois? Donc, Non, non, mais c'est une fois que clair. tu as des choses très simples sur le séchage de ton café, sur combien de temps tu le fais fermenter, etc., l'humidité qu'il doit avoir pendant qu'il sèche, une fois que tu as des choses assez simples, déjà tu peux facilement, assez rapidement augmenter en 2-3 ans Ah oui, la non mais. qualité de tes lots, tu vois. Et puis très franchement, je pense que voilà, c'est normal aussi qu'on s'attarde beaucoup aujourd'hui sur les process, parce que bah, c'est quelque chose qui pour nous est peut-être beaucoup plus visible que le travail de production de café. Mais on va pas se mentir qu'aujourd'hui, typiquement sur un caféier, l'époque de taille sur un arbuste aura beaucoup plus d'impact, in fine, sur le goût, que de savoir si c'est un redonné, ou si c'est un yellow ou un black, en fait. Yes. Ah oui, c'est Parce que ça, sûr. faut le rappeler aussi. En fait, il y a des impacts, c'est comme dans le raisin, quoi. Dire, quand tu coupes les bouts de ton pied à J plus 3 ou à J plus 40, bah, comment vous dire que c'est pas les mêmes résultats qu'on va avoir sur la fin en bouteille? Et du coup, la question de Yann, bon, déjà, il est trop content. Et merci, Yann. Ben, je suis très content de savoir que tu apprends plein de choses. Hein, c'est tout l'objectif de Et l'émission. surtout, Théo, Yann, c'est un des élèves de Limoges. Donc, big Ah! up aux élèves de Big up à la Limoges. formation Ouais, Limoges. Big up à vous. effectivement. Big up à Big up, vous. ouais. Et ouais, du coup, il nous demande comment est-ce qu'on peut savoir tout ça quand on achète un café. Ben, le plus simple, évidemment, c'est de demander à ton torréfacteur. Et si tu n'achètes pas chez un torréfacteur, si tu achètes ailleurs, eh ben, essaie de te renseigner vis-à-vis de remonter la chaîne, en fait. Bah si t'achètes ailleurs, j'ai envie de dire, eh ben bonne chance plutôt. Ouais. Non, parce que c'est vrai que déjà, un torréfacteur de spécialité, il s'attache souvent à essayer de donner le max d'informations sur le café. Après, il y en a qui le font plus ou moins, parce que bon, ils ont aussi plus ou moins de temps, quoi. Oui, bien C'est aussi sûr. un business à faire tourner. Mais après, quand tu commences à pas acheter chez un torréfacteur de quartier, etc., ou un torréfacteur de spécialité, aussi gros ou petit soit-il, ben là, je sais pas comment tu les as, les infos, quoi. Tu vas Ouais, sur le c'est site de clair. Malongo, je sais pas, bonne chance, quoi. Bah parce que Enfin, ça ouais, fait je sais pas, partie quoi. des lignes directrices du specialty d'avoir la traçabilité. Exact. Tout à fait. Et Est-ce que alors, vous toi, avez du coup, de... Bah, vas-y Tom, vas-y. ouais, normalement, du coup, la question que je voulais qu'on aborde, peut-être une dernière sur les productions de café, mais qu'on n'a pas trop vue auparavant, je sais pas si toi, tu as eu des informations de ce type-là, bah, soit en allant directement au pays producteur ou en communiquant avec des gens de Belco ou d'autres boîtes, c'est en fait quel est l'impact sur une zone délimitée où peut-être tu vas avoir, on va dire, trois ou quatre productions de café accolées les unes aux autres, comme on a souvent dans les pays producteurs, Ouais. où effectivement tu vas en avoir une qui peut être sur un système bio, une autre sur un système biodynamique peut-être par exemple, et peut-être deux autres qui sont sur un système, on va dire, plus détériorant pour la nature avec des entrants et des chimiques différents. Est-ce Ouais. que aujourd'hui vous arrivez en fait déjà à déterminer quel est l'impact par les écoulements d'eau ou par simplement les écoulements, enfin par le déport d'air, les impacts que ça a sur les productions qui sont censées être en bio ou en biodynamie, et comment on arrive en fait à stabiliser des régions par rapport aux besoins et au travail de chacun? Bah alors là, c'est une question qui est hyper intéressante, mais qui dépendra tout le temps localement de l'environnement dans lequel tu le traites. Ça va dépendre de la topographie du terrain, des pluies, du sens des vents, etc. Et ça, on le voit, enfin sur le café, mais on le voit aussi je sais pas, sur le vin, sur le blé, sur les maraîchers en France. Ouais. Je pense que tu vas voir des micro-fermes en permaculture en France. Elles sont souvent à côté de mecs qui ont 250 000 hectares de blé en monoculture, qui balancent du glyphosate en voiture, voilà. Et Ouais. ben forcément, en fait, tu vas forcément avoir, je pense, un impact négatif. Donc là, si on revient sur le café, il y a de fortes chances. Encore, ça dépend toujours encore hein, de la topographie, etc. Mais que tu sois un petit peu affecté par ces produits et que tu en retrouves des traces dans ta terre, des traces dans tes cerises, potentiellement sur tes feuilles. Je sais pas, là je sais pas exactement où tu trouves les traces pour le coup. Mais après, il y a des moyens de limiter ça. Par OK. exemple, créer des haies, des moyens naturels, hein, par l'agroforesterie encore. Créer des haies ou des rangées d'arbres qui vont limiter fortement les vents Oui. qui pourraient arriver sur ta parcelle. Ça, après, il y a un autre danger, c'est que peut-être que si tu limites trop les vents,
Du coup, ton humidité locale, elle va énormément. Tu vas créer vraiment un micro-climat sur ta parcelle, par exemple. Voilà, où tu auras moins de vent pour relever ton humidité. Bon, il y a plein de choses à faire. Oui, il y a plein de paramètres après à recalculer à chaque fois. Et, exactement. Par contre, le bon point de cette proximité des parcelles et de jouer pas sur les mêmes modes de culture, c'est que si tu arrives à faire fonctionner un mode de culture en agroforesterie ou même en permaculture, allez, rêvons complètement, etc., et ben, à côté de toi, le producteur qui lui croit que. Il croit parce qu'on lui a bourré la tête, hein, ou alors parce que ses parents ils faisaient déjà ça parce qu'on leur avait bourré la tête à eux, il croit que c'est ce qu'il faut faire, déforester, que ce soit en plein soleil, pas d'ombrage, mettre des écrans, etc. Il croit que c'est ça qu'il faut faire, si tu veux, c'est ça qu'il a appris. Et c'est ça que les mecs ils passent lui dire toutes les deux semaines. Donc forcément, c'est un peu dur. Quand on te dit il fait beau, même s'il pleut, vraiment il fait beau, tu vois, c'est ça. Du coup, s'il voit qu'en fait le mec d'à côté il fait différemment et que ça marche, et que non seulement ça marche, mais il a une productivité pas mal, peut-être un peu moins haute, mais en fait sa qualité est meilleure et il dépense beaucoup moins de sous dans les intrants, etc. Au final, sa rentabilité est meilleure. Mmh. En fait, le gars vit mieux, peut-être en travaillant un peu moins, à terme, hein, parce que ça met du temps à lancer. Ce genre d'environnement vraiment très fertile, et ben peut-être qu'il va vouloir changer de modèle aussi. Donc tu peux avoir les impacts techniques néfastes du fait d'être à côté, mais doucement tu peux avoir les impacts positifs des pratiques en fait qui se transmettent. Alors là, j'ai plein de questions qui sont intéressantes là dans le chat. Et j'ai une petite précision de Fitzgerald qui a de la famille qui travaille dans des ports. Donc c'est super intéressant. Et il nous disait pour les cargos à voile. Il n'y a pas de problème d'infrastructure portuaire a priori, en tout cas dans les ports de taille moyenne. Des tests vont être effectués bientôt dans les eaux de La Rochelle avec un navire transportant des pièces d'Airbus. Et ça représente 1000 mètres carrés de voile. Voilà, donc super intéressant. Et il y a Dimitri qui te pose la question, quel est le coût d'une certification bio pour un importateur et pour un producteur? Alors, j'en ai vraiment aucune idée pour le coup. Eh bien, au moins, voilà, donc on y va. Mais souvent, enfin ce dont j'ai la sensation, c'est que c'est à la limite pour un producteur sur sa parcelle, c'est pas très cher entre guillemets, c'est quelques peut-être milliers de dollars. Mm-hmm. Non, mais pour lui en tout cas, pour le producteur à son échelle, c'est bien trop cher. Ouais, c'est ça. Et surtout pour ce que ça va lui amener, parce que en fait passer à avoir la certification bio, ça te permet d'avoir un petit premium sur le prix de base du café. Bien sûr. Si tu le vends sous NY, quoi, si tu le vends par rapport au coût du café en bourse, tu as un premium parce que c'est bio. Mais je pense que pour amortir ce que tu as payé en certification, il faut que tu vendes quelques kilos de café, quoi. Donc souvent, c'est des petits producteurs qui ne vont pas produire énormément, peut-être aller maximum 50 sacs et encore. Il y en a qui produisent bien moins. Ils ne vont pas pouvoir, en fait... récupérer les sous qu'ils ont mis. Et bien souvent, il y a plein de producteurs qui font bien plus que du bio, mais qui ne peuvent pas se permettre de payer bio, d'être certifié. Et ça, les consommateurs, à la fin, je sais que les torréfacteurs, souvent, ils ont du mal. Ils te demandent vraiment du café bio parce qu'ils disent, oui, nous, on comprend en fait que le gars, il fait tout bien, etc., mais qu'il ne peut pas se payer la certif. Mais c'est très dur à expliquer à nos clients. Le truc de dans certains pays où l'équivalent de la certification bio est dans les lois d'agroforesterie du pays, non? Il n'y a pas des situations comme ça? Au niveau des lois de l'agriculture du pays, ça colle quasiment avec le truc bio, donc finalement personne là, juste parce que c'est la loi en fait. C'est possible aussi, ouais, c'est tout à fait possible. Donc du coup, il n'y a pas particulièrement d'incentive à aller sur des modes de production comme ça, vu que de toute façon tout le monde fait déjà comme ça. Donc pourquoi payer, pourquoi mettre en valeur entre guillemets ce travail-là alors que c'est déjà dans les lois des pays? Voilà. J'avais entendu parler d'un truc comme ça, confirmé ou infirmé, peut-être que je dis une bêtise. Hein. Non, mais franchement, il y a tellement de contextes locaux, à l'échelle d'un pays, d'une région, etc., d'une région, d'une commune, que c'est fort possible hein, qu'il y ait des cas comme ça. Hein. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une stratégie quelle est-elle pour valoriser du coup des cafés entre guillemets bio mais qui ne sont pas certifiés du coup? Comment est-ce qu'on peut mieux mettre en valeur ces cafés-là? Voilà, parce que je pense qu'il faut aussi dire que on s'est rendu compte en faisant quelques études, y a des articles qui sont sortis et puis on a fait des études aussi chez nous, chez Belco, qu'en fait un café qui est bio, c'est-à-dire qui arrive chez toi, qui est labellisé,
Tu regardes le café, tu fais des analyses bio, etc. Et ça te dit que c'est bio. Okay. Et en fait, il s'avère que pendant la récolte, pendant la pousse du café, etc., il y a eu des pesticides chimiques, etc., d'utiliser. En fait, on a remarqué, les ingénieurs agronomes sur le terrain, et peut-être ceux qui vendent les produits phytosanitaires, ont remarqué que si tu mets des produits en certaines quantités à certains moments, en fait, il n'y a pas de traces ensuite dans le café au final. Donc, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de traces, ça veut dire que ton grain, il est vraiment bio. Donc, c'est-à-dire que toi, dans ton corps, tu ne mets pas quelque chose de mauvais. Par contre, ça veut dire que tu as un peu défoncé la terre sur laquelle tu travailles. Et donc, ouais. Si tu veux, tu as ce côté santé qui est OK. Y a pas, effectivement, il n'y a rien dedans, tout va bien. Il y a le côté environnement qui n'est pas bon du tout. Et pourtant, tout ça, c'est labellisé bio. Mmh. Et le bio, il faut aussi comprendre que les organismes bio, alors je ne suis plus exactement sûr, mais je crois que c'est en Colombie. Il y a un des plus gros exportateurs, je ne sais plus exactement, en gros, un des plus gros exportateurs de bio, il y a eu des tests de fait, ils ont vu que ce n'était pas bio, mais la certification bio leur a quand même donné la certification parce qu'ils avaient besoin de leurs sous pour survivre. Mmh. Et donc, en fait, il faut. Alors, c'est pas bien, mais tu comprends aussi que sinon tout s'écroule. Comment tu fais pour effectivement valoriser peut-être autre chose que ces labels, d'où ta question. En fait, je pense qu'il faut vraiment... déjà, ce qui est compliqué, nous, Belco, on travaille à une échelle tellement fine avec les producteurs qu'on n'a pas une situation de producteur ou même cinq situations différentes pour catégoriser nos producteurs. Il y a 1500 situations différentes pour catégoriser nos producteurs. Donc, c'est très dur de faire des grandes généralités sur ce qui se passe. Après, on peut essayer de trouver des critères qui, pour nous, par exemple, font qu'on peut dire que ce café est, on va dire, bio, je sais pas, enfin, clairement, mais que ce café est durable, en tout cas, parce que, en fait, nous, ces critères, ce serait vraiment d'aller sur la ferme, et au lieu de juste faire un check à la fin, un check chimique, à la fin, quand on reçoit le café vert, donc qui est aussi intéressant à faire, je pense que c'est bien de le faire quand même, mais c'est quand même de voir tout au long de l'année les pratiques des producteurs, évidemment en les aidant à avoir ces parce que c'est cher, changer de modèle agronomique c'est compliqué, c'est long et ça demande de l'argent. Et voir avec eux du coup, on va définir des grands critères pour que vous soyez entre guillemets certifiés par nous sur ce que vous faites, qui peuvent être est-ce que tu fais de l'agroforesterie, tu n'utilises pas d'intrants chimiques, etc. Toute une série de critères qui font que pour nous le café, il est durable pour le producteur en termes de qualité et du coup de prix qu'il va en tirer, pour l'environnement dans lequel il est produit, pour sa ferme, etc. Et pour le consommateur aussi, parce qu'il sera un produit top qualité en termes de production et il sera aussi très bon en termes de tasse. Voilà, pour moi, c'est ça. Il y en a plusieurs. Pareil, là, le pose plein de questions parce que le chat est passionné, c'est trop bien. Donc, du coup, il y a Yann qui relève qu'effectivement, le bio ne veut pas dire grand chose en fait. Bah ouais, c'est ça, le label bio ne veut pas dire grand chose en vrai. Donc, c'est compliqué. Il y a Ara Startup, encore lui, qui nous demande est-ce qu'il y a des règles de type genre AOP pour le café ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'il y a une volonté de mettre ça en place ? Ou est-ce que c'est trop compliqué ? Très bonne question. Je sais pas, pour le coup. C'est une bonne question. Je pense que c'est possible à mettre en place en soi, mais ça devrait être plutôt chaque pays, à son échelle, qui souhaite valoriser un café, un savoir-faire, une région, un terroir, etc. Visiblement, il y en a au Brésil, nous dit Alice. Ok, super. C'est quoi un café du Cerrado, AOP Cerrado? Comment ça se passe? J'en sais rien. Cerrado, c'est une très bonne région pour la production du café. C'était une vanne, mais si Alice sait, c'est cool. Déjà, du coup, on sait qu'il y en a au Brésil. Donc voilà, c'est un super exemple. Okay. Donc il y a des endroits où ça arrive, quoi. Ouais. Et après, t'as aussi, par exemple, le cas de l'Éthiopie. En Éthiopie, ils ont un petit peu, c'est pas vraiment des AOP, mais en fait, si tu veux, ils ont défini des grands profils de café par nom de région. Si on dit, par exemple, un Kotchere, ça a ce profil-là. Okay. Alors, ça peut être assez vrai, c'est-à-dire que, oui, tu peux voir certains grands profils, etc., par région, mais en fait, aussi, ça peut être aussi complètement faux, vraiment, selon la méthode de culture très, très locale. Tu peux avoir un café...
Yirgacheffe, qui goûte comme un café qui était à Jima, enfin à des centaines de Oui. kilomètres. Donc, et ce que fait du coup l'ECX, le Ethiopian, non, Ethiopian Commodity Exchange, là où tu achètes le café, enfin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tu étais quasiment obligé d'acheter le café là pour quand tu allais en Éthiopie. En fait, le problème, c'est que du coup, ils te font perdre la traçabilité parce qu'ils te Eh donnent oui. le nom d'un café, par exemple, Cochere, juste sur un profil sensoriel. Ils se Ok, disent, ah, ce d'accord. profil, c'est un profil de Cochere, donc on va l'appeler Cochere le café. Ok. Donc, t'as plus aucune Ouais, traçabilité. là, du coup, Il tu peut perds un venir de petit peu la n'importe où. chaîne, alors. Et du Voilà. coup, Fitzgerald nous repose une question. Oui, désolé, je ne l'avais pas relevé la première fois, tu as bien fait de la reposer. Est-ce qu'on a pu identifier dans toute la chaîne quelles sont les étapes qui sont les plus lourdes en impact carbone sur la chaîne du café? Sans oublier les autres questions environnementales, hein, bien sûr, mais. En fait, directement comme ça, tu vois des trucs émetteurs de carbone, type le transport, transport par bateau. Donc ça, quand même, par kilo de café, je pense que c'est quand même assez faible. Je pense que typiquement, livrer un torréfacteur en camion, c'est par kilo de café, c'est plus impactant en termes de carbone. Par contre, en fait, pour moi, hein, je pense que l'énorme impact carbone, et c'est valable pour tous les pays, pour tous les business, etc. Enfin, là, on peut vraiment impacter la courbe carbone, c'est le modèle agricole, encore une fois. OK. Et plus tu vas déforester, plus tu vas enlever toute. En fait, simplement, si tu crées un modèle agronomique, on va dire, d'éco-culture, où c'est diversifié, tu as différentes espèces, etc., tu vas stocker un carbone dans tes espèces et dans ton sol surtout, mais monumental. Ok. Tu vas stocker énormément de carbone. Donc, si tu arrives à faire changer un mec qui a 300 hectares à lui faire passer en foresterie, etc., par exemple, agroforesterie, on va dire complexe, parce que l'agroforesterie, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est quand même bien il y a plusieurs niveaux Oui. d'agroforesterie, on va dire. Tu peux juste replanter une espèce tous les 15 mètres sur 100 hectares, ou tu peux recréer des espèces de semi-forêts, travailler en forêt déjà existante, etc. Donc, c'est quand même pas les mêmes impacts que tu as dans ces cas-là. Donc voilà, si tu arrives à recréer du captage du carbone dans les sols et dans ta végétation, là tu auras un impact super en termes de carbone. Ok. Et là, dans le chat, il y a Colia Fobiano qui nous dit que Donc pour le... Angel. C'est ça. Angel, salut Salut Angel. Angel. Je t'envoie un bisou, certificat. Angel, comme promis. Et on revient un petit peu sur les questions de certificat qui nous donnent une précision. Nous payons une annualité en tant que Belco, car pour les producteurs les plus petits regroupés en coopérative notamment, normalement cela est payé par les coopératives. Ah oui, d'accord, donc tu payes un certificat pour les plus petits producteurs. Pour les producteurs individuels, si certains ont une taille suffisante, ils le payent eux. Et pour de plus petits, nous payons ou avançons les trucs donc entre 3 000 et 5 000 US dollars par an. Et ben voilà, comme ça vous avez une réponse de la place que prend Belco et les initiatives que prend Belco dans cette source-là. Ah non, Voilà, mais je... cool, merci Angel. Mais je pense que si Angel est déjà à fond sur le chat comme ça en une arrivée, il faudra qu'il vienne nous faire un coucou un de ces jours. Ah bah oui, bah ce sera évidemment Hein? avec plaisir. Hein. Histoire qu'on ait eu tout le monde de chez Belco quand même, ce serait Ah bah dommage c'est ça, Eh de bah s'en vous avez priver. pas fini, C'est ça, je rappelle que si Belco veut sponsoriser l'émission, évidemment, vous pouvez m'envoyer un chèque. Comme ça, il y Pourquoi on a aura de la toujours Belco, un nous petit aussi? logo Belco en bas Ouais. Bah, ce serait tellement Vraiment. dommage pour ton émission, tu rigoles ou quoi? Alors là, moi je t'avoue. Et alors du coup, Nico, toi quand tu te retrouves, parce que ça, tu nous as parlé du coup du travail plutôt sur la production, ce qui est vraiment super, parce qu'on a pu revoir plein de toi, et en plus on voit en plus que tu as vraiment vraiment une grande connaissance, en tout cas un grand intérêt autour des questions d'agroforesterie. Donc pour ça, c'est vraiment top, parce qu'on n'avait pas trop l'occasion de voir ça dans le détail. Après, du coup, quel est on va dire, si c'est pas en tout cas le discours commercial, mais tout du moins, l'échange que toi tu vas développer, du coup, pas avec les cafés que tu achètes, mais avec les torréfacteurs ou autres entreprises qui t'achètent du grain vert. Quel est toi ton travail à ce niveau-là? Parce que toi, tu es quand même de mémoire plus maintenant sur de la. Tout à fait, Sur de sur de la l'export, vente. sur de la vente. Ouais. 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 Écoute, du coup, moi, ce qui est chouette, c'est que j'ai cette double casquette où je vais aider les projets de durabilité à être menés et surtout à être communiqués. Parce que Belco, en fait, on fait beaucoup de choses. Enfin, comme le dit Alex Bélanger, il a préféré investir sur le fond que sur la forme, dans un premier temps. Donc, s'assurer qu'on faisait
du bon boulot, que Velko faisait du bon boulot en termes de sourcing, de durabilité, etc., avant de le communiquer, en fait. Et, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des posts Instagram toutes les deux heures qui disaient une feuille verte, c'est cool, tu vois. Du coup, maintenant, il y a un gros travail qui est de... Il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits, il y a eu beaucoup de projets qui sont en train d'être faits, il y a beaucoup de projets qui sont en projet, tout simplement, sur la durabilité. Comment, bon, déjà, comment on les mène, tous de front, mais comment aussi on les communique, comment on explique ce qu'on fait, pourquoi on le fait, tu vois, c'est quoi l'enjeu? Parce que finalement, faire de la durabilité, si c'est juste... Est-ce que l'enjeu, c'est juste de vendre du café? Alors, évidemment, l'enjeu, c'est de vendre du café. Ça fait partie du truc. Sinon, bah, tu n'es pas vendeur de café, enfin, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Juste... Au bout d'un moment... Mais comme je le disais au début, pour moi, tous les acteurs, toutes les entreprises du monde, quoi qu'elles fassent, elles doivent prendre des responsabilités sur leur chaîne de valeur pour les rendre plus durables. Sinon, pour moi, en fait, encore une fois, le choc du changement climatique, etc., pour moi, est totalement inévitable. C'est juste à quel point il va être violent ou pas. Tu vois, c'est comme la vague du coronavirus, là. Oui, à quel point on arrive à aplatir la vague, en fait, ou pas, tu vois. C'est ça. Et du coup, si toutes les entreprises font des efforts réels de durabilité, pas juste des grandes campagnes marketing, on peut réduire ce choc, tout simplement. Et je pense que nous, on prend vraiment nos responsabilités et on les prend parce qu'on les prend avant tout, parce que c'est ce qu'on défend, c'est des valeurs qu'on a, tu vois. Par contre, on est aussi persuadé que ça fait tellement de sens que ça va aussi nous aider à vendre notre café, parce qu'en fait, c'est juste beaucoup plus sensé. Enfin, pour nous, ça ferait aucun sens, en fait, de continuer à investir dans du café qui n'est pas durable. Alors, 100% de notre café n'est pas, on va dire, durable, entre guillemets. Il y a des cafés qui viennent du Brésil qui ne sont pas... encore produits comme on le voudrait, etc. Mais l'important, c'est qu'on est sur la durabilité, on va dire que c'est un chemin qu'on a commencé à fortement marcher dessus. Et du coup, on est sur une dynamique hyper positive aujourd'hui où on est en train de vraiment appuyer là-dessus. Et du coup, l'autre partie, effectivement, moi, c'est de vendre. Et alors, en fait, quand tu vends aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie de faire passer des messages aujourd'hui un petit peu écolo, encore une fois, de dire j'ai pas envie de boire un café qui est 88+ si je sais qu'il y a 150 hectares qui ont été déforestés. Bah ça, c'est une partie des choses que je vais dire, en fait, parce que pour moi, vendre, en fait, je suis pas vraiment un vendeur. Moi, je suis juste un mec un peu qui dit ce qu'il pense. Il s'avère que c'est aussi la mentalité de Belco, donc ça va à tout le monde. Voilà, et ils arrivent, ils tapent des gros dabs sur les autres. Chat. Oui. non mais pour le coup, j'enfonce aucun importateur. Non, t'inquiète. On les a pas du tout reconnus. T'inquiète, c'est passé complètement inaperçu. Personne n'a relevé. Si vous avez reconnu des gens, c'est que vous rendez compte de choses vous-même que je n'ai pas dit, quoi. mais bon. Tu n'as rien dit, mais nous avons compris. Oui. Mais ça, t'as compris. Non, mais enfin, bon, bref. Moi, j'encourage tout le monde, de toute façon, à prendre les responsabilités qui sont nécessaires et qu'on affiche. On affiche beaucoup de responsabilités quand on travaille dans le specialty coffee, mais à tous les niveaux. Hein. Il n'y a pas que les importateurs, les torréfacteurs aussi, etc. Oui, c'est ce qu'on a vu, avec tous les gens qui sont venus ici. Il y a un niveau de conscience et de responsabilité qui est prise de plus en plus important à tous les niveaux de la chaîne. C'est trop bien, c'est super, clairement. Voilà. en fait, on se rend compte que nous, on fait passer des messages. Je fais passer des messages sur certains lots, que le gars comprenne que ce lot, il est bon sous tous les aspects, par exemple, qui va lui permettre évidemment de vendre, mais aussi de faire passer beaucoup de messages au consommateur final. Ce qui est compliqué, c'est que souvent, les torréfacteurs, ils sont aussi convaincus. Ou en tout cas, tu les emmènes sur ce chemin. It's very sweet. Wow, merci pour le follow. mais ils ont du mal à le faire passer à leur client. Donc, ils vont te dire, ce café, je sais qu'il est mieux, mais lui, il est labellisé. Oui, tu vois, par exemple. Alors, tu les comprends, si tu veux. C'est pour ça que la durabilité, il y a aussi l'économie dedans. C'est que si t'arrêtes de vendre, si t'arrêtes de générer de la valeur, etc., tu fais plus rien. Donc tu peux plus avoir d'impact, finalement. Oui. Sauf si t'es une ONG ou une asso, etc. Mais ça, c'est des rôles différents. C'est pas le rôle d'une entreprise aujourd'hui de pas du tout faire d'argent. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait ça le mieux possible, en fait? Exactement. Comment est-ce qu'on fait ça le mieux possible? Tout à fait. C'est ça. Et,
Et bon, les états se bougent pas du tout, mais moi je pense qu'il devrait y avoir une composante fondamentale dans l'entreprise. Et d'ailleurs, le code du travail ou le code de l'entreprise, je sais plus exactement, en France, a été changé il y a pas longtemps, où, dans lequel il y a une phrase qui dit oui, l'entreprise doit être, enfin, doit prendre ses responsabilités environnementales et sociales, en gros. Alors il y a juste cette phrase qui a été rajoutée, mais rien n'a changé dans les faits. Mais bon, elle a le mérite d'exister maintenant dans le code du travail, ou du coup je sais plus quoi. Cette des phrase. Entreprises, je pense, parce que le code du travail en général, ça va plus vers bosser plus et soyez payés moins, et perdez toute votre couverture sociale. En ce moment, c'est plus la tendance, l'écologie, c'est pas trop ça. Tu peux voir ça comme ça, ouais, c'est vrai. Mais, c'est peut-être le truc de la vocation des entreprises, effectivement. Oui, vocation des entreprises, ouais. Si quelqu'un le sait, il peut le mettre sur le live. Bref, en tout cas, voilà, je pense qu'il faut vraiment... tout ce qu'on se bouge, et moi, quand je vais vendre du café, en fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est déjà comment les gens ils travaillent, les gens que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés là aussi, tu vois, je poserais peut-être un petit peu les mêmes questions que tu m'as posées au début. C'est quoi les valeurs pour lesquelles ils battent aussi? Souvent dans le specialty, il y a un peu des valeurs qui, voilà, ouvrent les yeux sur ce que c'est vraiment le café, sur le travail du producteur, etc., à minima, tu vois. Et, l'aéropress estière, chacun ses valeurs, hein, écoutez. Exactement. Non, ça c'est pas une valeur, c'est une hérésie, mais c'est pas grave. C'est... Non, mais voilà, et du coup, voilà, je pense que si tu. Ouais, l'important c'est d'être curieux, d'aller voir les gens avec l'esprit ouvert, quel que soit ce que tu penses toi, de comprendre pourquoi ils font les choses qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, et voilà, de au mieux ajouter ce que tu peux, que tu penses être positif à ce qu'ils font déjà. Pour les ouvrir à de nouveaux horizons, peut-être de nouveaux marchés aussi, peut-être de nouvelles manières de faire, etc. quoi. Au mieux. Et alors du coup, Nico, parce qu'on sait que t'es serré par le temps aujourd'hui, donc il nous reste 2 minutes avec toi. Bon, on va dire 10, il n'y a pas de souci. Normalement, il y a quand même une question que j'aime bien poser à chaque fois aux invités qu'on peut avoir. C'est un peu une expérience café qui t'a... Si en tout cas, elle t'a pas amené vers ça, en tout cas, une sorte de café qui t'a vraiment marqué, qui a marqué peut-être un peu plus profondément les différentes valeurs qui font que tu as rejoint ce milieu et que tu y participes. Est-ce qu'il y a un moment un peu clé ? Il y en a beaucoup, quand même. Il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a, on va dire, en Europe, il y a le temps et le smile de pas mal de gens au début. Ils ont pu me donner chez Lomi, tout début, Damien Burtier, par exemple, qui est un mec qui a un sacré smile, c'est toujours plaisir, qui était un petit peu la première source d'infos que j'avais sur le café, où j'étais un peu perdu, c'était cool, j'ai ce souvenir-là. Et puis après, au Pérou, avoir bossé chez Juan, là, à la Finca Los Pinos, c'est à San Ignacio, dans la région de Cajamarca, au nord du Pérou, près de l'Équateur. D'accord. Une région où ils sortent des super lots, quoi. Lui, vraiment, voir ce que c'était de travailler avec une coopérative qui n'était pas top, franchement, sa coopérative avec laquelle il bossait, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient quand même vachement plus cool. Et de voir vraiment, en fait, de comprendre son travail tous les jours. Et de comprendre d'où il venait, c'est-à-dire que ce mec, il avait avant, c'était un peu un notable de la région politique régionale qui a été, je sais pas, déchu d'une manière ou d'une autre, et bref, il y a eu des problèmes, et il a récupéré une ferme il y a 15 ans à peu près maintenant, qui était toute en agriculture chimique, et donc il a continué comme ça, c'était ce qu'il savait, enfin ce qu'on disait qu'il fallait faire, et en fait, en quelques années, il a commencé à perdre énormément de rendement, parce que je pense que les sols étaient déjà et du coup il a dit non mais je sais pas qui lui a parlé et tout, il a dit non mais on arrête tout ça, on va prendre le temps qu'il faudra mais on va refaire une ferme vente. Et du coup là quand tu vas sur sa ferme aujourd'hui, c'est pas très grand, c'est faire 2 hectares comme la plupart des producteurs, hein, typiquement. T'as des arbres différents de partout, t'as pas mal d'ombrage, t'as beaucoup de diversité dans ce qui est planté, t'as aussi un petit côté potager, donc pour tout ce qui est culture vivrière, donc pour qu'ils s'assurent aussi un minimum d'autonomie alimentaire, ce que je pense est vraiment une base aussi. Et il t'explique qu'aujourd'hui il y a plus de 65 espèces d'oiseaux sur sa parcelle alors qu'il y en avait moins de 5 à l'époque. Le changement c'est monstrueux, quoi, c'est monstrueux. Tu vois en fait, il y a un bout de forêt, si tu veux, au-dessus, c'est souvent comme ça. Le bas des collines ou montagnes est un peu déforesté, souvent
planté de café, et au-dessus, il laisse un bout de forêt native hyper chatoyant, luxuriant. Et là, en fait, sa parcelle est tellement vivante et accueillante que tu as des graines qui sont arrivées de là-haut, je sais pas comment elles ont été transportées, des oiseaux ou quoi, et tu as des arbres complètement endémiques qui commencent à repousser d'eux-mêmes au milieu de tout ça. Donc évidemment, il faut qu'il gère un petit peu, il peut pas tout laisser pousser non plus parce qu'il faut qu'il fasse pousser du café. Mais ce qu'il a créé, c'est immensément plus vivant que les parcelles qui sont autour de lui. Et lui, pour le coup, c'est un gars qui a un impact positif sur les... On parlait de ça tout à l'heure, sur les gens qui sont autour de lui. Ouais. Parce qu'il transmet ce en quoi il croit et il montre que c'est possible et que sa qualité de café, elle est super bonne, quoi. Donc il y a pas mal de producteurs qui essayent de le suivre aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Bah, en même temps, on comprend parce que là, c'est... C'est un peu les deux extrêmes qui s'expriment sur une parcelle, en fait. Donc c'est génial d'avoir vraiment l'exemple et le constat, on va dire. En plus, tu me dis sur 15 ans, au final. Donc c'est, en plus, en termes de temps, c'est... Ouais, c'est-à-dire que les premières années, il était encore en actif. Il a quand même mis genre 5 ans, hein, à ce que ça reparte un peu. Donc c'est énorme pour un producteur s'il n'est pas soutenu, s'il n'a pas d'autres activités. Enfin, c'est quand même 5 ans en produisant quasiment rien. C'est très, très compliqué. C'est pour ça que les transitions... Bon, lui, il n'a pas fait ça doucement, il a fait ça d'un coup, il a dit allez, ciao, on arrête tout ça. Mais c'est pour ça que les transitions, il y a plein de producteurs qui sont prêts à le faire, qui y croient, qui comprennent qu'ils sont en train de détruire leur nature, etc. Et s'ils ne sont pas aidés financièrement, en fait, ce serait bien de créer un outil de transition financière, mais ça pour tous les agriculteurs du monde, à les aider en fait, à changer de modèle. Il faut qu'ils aient un peu les reins pour le faire. Ouais. Et bah ça, comment on le fait, notamment nous, pour le café, bah voilà, c'est les soutenir en achetant par exemple leur lot de café un peu plus cher que ce qu'ils comptaient le vendre. Ouais. Et en fait, avec ce delta, ça c'est quelque chose qu'Angel fait très bien, il arrive à faire exprimer les besoins des producteurs, c'est-à-dire il leur dit rien, il leur pose des questions pour qu'eux expriment leurs besoins. Et quand il a le besoin, il dit bah écoute, ce café, au lieu de l'acheter tant, on va te l'acheter un peu plus. Et avec ce un peu plus, tu vas l'investir dans ce que tu m'as dit là. Dans ce que tu essaies de faire, tu vois. Ça pour moi, c'est magique. Alors, on arrive nous à vendre le café derrière pour qu'on soit pérenne, pour qu'on soit durable, pour qu'on puisse le faire avec d'autres producteurs. Mais du coup, là, le gars est soutenu et il peut se dire, vu que nous, on s'engage à tous les ans lui acheter son café, il sait qu'il peut même faire il peut faire un business model, truc qu'un producteur ne pouvait jamais faire, parce qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il allait vendre son café, à qui, etc., ni à quel prix. Bah là, il sait. Et il peut se dire, voilà, cette partie, je l'investis à ce projet, par exemple, de reforestation, etc. Ouais. Yes. Donc, voilà. Ok, super. Super. On avait une petite question du chat qui nous est répétée depuis tout à l'heure. Apparemment, pas mal de personnes, donc plutôt des baristas, auraient du mal à avoir un certain nombre d'informations concernant, on va dire, des choses un peu plus précises en termes d'origine, en termes de type de production. En fait, toutes les infos que tu viens de nous donner, quoi. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire ou les encouragerais à faire ? Est-ce qu'il faut peut-être demander un peu plus d'informations, que ce soit aux torréfacteurs ou aux importateurs ? Est-ce que tu penses qu'il y a une forme de saturation qui existe, mais qui n'est pas voulue, hein, que c'est une saturation relative et qu'elle peut être un peu relâchée sur les informations ? En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment une saturation. C'est pas que c'est saturé. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'informations. Mais je trouve que les informations qu'il y a, elles sont peut-être... c'est un peu brouillon comme elles sont données. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur notre site, on présente plein de cafés. Si tu veux apprendre, si tu es un barista, et que là, tu te dis, je veux apprendre comment c'est fait, etc., ben, ça va être un peu compliqué d'aller sur le site, par exemple, d'un importateur comme nous. Parce que, si tu veux, il n'y a pas un gros cours sur comment faire pousser du café. C'est quoi l'agroforesterie, etc., etc. Il y a plein de cafés. Et dans ces cafés, il y a plein de projets différents. Et ces projets, tu peux apprendre sur... Ils t'apprennent des choses sur les méthodes de culture, par exemple. Mais du coup, c'est un peu diffusé dans plein d'endroits d'informations. Moi, ce que je conseillerais à des baristas ou n'importe qui veut apprendre un petit peu, c'est... Moi, j'ai beaucoup appris sur des ordis, en fait, hein, sur Google, tout ce que tu veux, sur des sites d'université. C'est vraiment te dire, OK, c'est quoi le sujet sur lequel je veux apprendre, par exemple, l'agroforesterie. Bah, je vais taper, définition agroforesterie sur Google. Commencer par là, tu vas commencer à avoir des choses très générales de l'Association française d'agroforesterie, etc., par exemple. Mais tu vas aussi, en fait, en cherchant au fur et à mesure, plus tu vas apprendre, plus tu vas trouver des mots-clés. En cherchant ces mots-clés, tu vas pouvoir tomber sur des choses de plus en plus précises, quel que soit le domaine. Et du coup, tu vas pouvoir sortir des articles scientifiques, etc., au fur et à mesure.
Et là, apprendre beaucoup, beaucoup plus si c'est ça qui t'intéresse. Et puis après, sinon, sinon juste, vous suivez nos lives, en fait. Vous suivez nos lives, vous vous abonnez, en fait, vous followez la chaîne Twitch, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous mettez la cloche. Vous rejoignez le Discord pour poser vos questions. Et si vous avez Amazon Prime, vous pouvez le lier avec votre compte Twitch pour pouvoir soutenir financièrement la chaîne gratuitement. C'est pas formidable tout ça? Et vous allez apprendre plein de choses. En une phrase, un souffle. Non mais c'est formidable. Et comme le dit tout le monde dans le chat, si le torréfacteur ne peut pas vous répondre, changer de torréfacteur. Voilà, c'est... Ouais. C'est non mais tu vois par exemple c'est une super situation parce que Yann qui pose la question en plus c'est on a eu cette discussion ensemble en fait parce que justement il cherchait des informations sur un café et en fait donc Yann travaille avec l'un des torréfacteurs qui est sur le chat à ce moment-là et effectivement il y avait des informations sur le paquet de torréfaction, ça c'est évident, il y avait les informations qui étaient déjà celles de base et nécessaires on va dire généralement sur le site internet, il y avait assez de choses, mais en fait je lui ai dit mais en fait est-ce que tu as juste tapé le nom du café que t'as et juste va voir en fait quel importateur le transporte et s'il y en a un ou plusieurs et en fait on s'est rendu compte que c'était chez vous ce café là et donc en fait bah, effectivement c'est comme ça qu'on a pu voir que, enfin moi je le savais déjà mais que lui je lui ai dit tu vois si t'as des informations va sur le site de Belco parce qu'effectivement votre site est vraiment très 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 fourni sur, en termes d'infos je trouve. Oui je confirme, oui. Je confirme. Par rapport à d'autres personnes, je sais pas, par exemple, qui ont une approche peut-être un peu plus nordique, qui effectivement sont un peu plus rétentifs dans leur dans l'information qu'ils peuvent donner. Ben nous voilà. On essaie vraiment de donner un max d'infos là-dessus. Je vais cliquer quand même là-dessus parce que je viens de dire que notre site c'était trop diffus l'information. C'est si tu veux, c'est à la fois vrai en fait. Ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches l'information sur un low price site, c'est parfait en fait. C'est comme ça qu'on l'a construit. Si effectivement tu cherches des informations beaucoup plus larges, des espèces de un peu de cours de compréhension d'introduction. Notion, c'est forcément compliqué. Par contre, ce sur quoi on est en train de travailler, ça va être un peu patient, c'est en cours, je dirais quelques mois, c'est plus un côté où on va plus prendre les choses pas du point de vue des lots et des cafés, mais du point de vue des projets qu'on fait. Donc en gros, c'est dire, ok, ce projet-là, et ben en fait, ça correspond à faire avec ce producteur, ce projet de conversion au bio dans de l'agroforesterie. Donc avoir des notions beaucoup plus précises sur des projets, sur des méthodes, etc., qui ensuite te ramèneront au café lié, par exemple. Ouais. Donc tu pourras aussi avoir les détails sur le café. Ça Mais tu commenceras par avoir les détails sur le projet. Donc ça pourrait aider pas mal de gens, je pense, aussi à s'éduquer sur plein de choses, quoi. Super ! Formidable tout ça. Ben du coup, on vous invite à suivre toutes ces informations-là. Hein. Vous avez tout qui est voilà, par là. Si vous voulez suivre notamment Belco pour retrouver toutes les infos, il y a leur Instagram qui est juste ici. Et ben on va pas te retenir plus longtemps, Nico. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de gens ont appris plein de choses. Il y avait plein de questions super intéressantes. Merci pour les questions aussi. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Et puis quelle joie, tu vois, de parler avec des personnes qu'on connaît des fois depuis 4-5 ans et de voir tout le chemin qui a été fait, quoi. C'est vraiment top. Cool. Merci beaucoup, les gars. Ouais. Lisez, apprenez et clairement quand même la plus belle manière d'obtenir des informations c'est clairement d'aller voir des gens et de poser des questions même si j'ai parlé de Google mais on n'en apprendra jamais plus qu'en étant en contact des gens, ça c'est clair et, quoi. Et n'hésitez pas, je martèle un petit peu avec ça, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord et à poser vos questions. Il y a beaucoup de professionnels du café de plein de métiers différents sur le Discord et on est tous là pour répondre à vos questions. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Oui, toujours. Merci Théo, merci Tom. Merci à toi. Un plaisir. Nico, merci à toi. Merci à tous qui nous ont écoutés. Très bonne journée à vous. Et à très vite. À bientôt chez Ariou. Allez. Ciao ciao. Ciao gars. Bye bye. Bisous. Bye. All right. Alors attends. Toc. Voilà. Là. Voilà. Hop. Bon, maintenant qu'on est que tous les deux, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Je vous l'ai promis ce matin. Hop, on va repasser comme ça. Voilà, formidable. J'ai reçu ce matin un petit colis. Voilà, j'ai reçu un petit colis. On va se faire un petit unboxing tous ensemble. Ça va être que du plaisir. Alors. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ah, on commence tout de suite, il n'y a pas de transition. Non. Absolument aucune transition.
Voilà, hop là. Ok. Ok, waouh. Alors. So sweet. Par quoi est-ce que je commence? Par quoi est-ce que je commence? La Chemex 3 tasses. Alors déjà ça. Voilà, j'ai reçu ça. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est le Prismo de Fellow. Donc, on va s'ouvrir ça, on va s'ouvrir ça. T'as toujours vraiment, Fellow, ils ont des packaging super sympas. Hein. C'est toujours des packaging de très bonne qualité, c'est formidable. Ah, on dirait des montres Swatch. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as avec la petite carte là, to, formidable petite carte explicative, le petit papier, putain, j'ai l'impression de déballer un kebab, incroyable. Un tacos. Un tacos, ouais. Tacos 3 viandes. Hop. Et voilà, hop là, le Prismo. Et avec le filtre, du coup, qui est le filtre en métal qui se sépare. Faudra voir si on peut, s'il y a moyen de changer le filtre. Oui, Dimitri, on est tous d'accord, et on est tous d'accord pour le dire, c'est un anus artificiel. Oui. Mais ça, c'est vraiment, on est absolument d'accord. Que vous verrez bien évidemment en action bientôt sur cette chaîne. Donc voilà, déjà, il y a ça. Ça, on s'en servira très bientôt. Ensuite, je me suis récupéré ceci. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ceci, mesdames et messieurs, est une cafetière. C'est une vraie cafetière, hein, bien sûr. Ceci, ça s'appelle une ibrique. Une chef-chef ibrique. Je ne sais pas le prononcer, parce qu'il y a 4 V à la suite. Voilà. C'est ce qu'on appelle traditionnellement une cafetière turque. Un caquelon à fondu. Et donc voilà, c'est un modèle de chez Ilsa, c'est une marque que j'aime bien, il y a deux becs, enfin un bec verseur de chaque côté, c'est pas mal, et c'est prévu pour induction, que moi je ne fonctionne qu'avec de l'induction. Ça c'est pareil, on va pouvoir s'en faire, donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une cafetière turque, c'est une ibrique. Bon, je ferai pas la cérémonie traditionnelle avec du sable chaud parce que... Et de la fleur d'oranger parce que je vous avoue que concrètement j'ai pas trop envie d'aller à Monsieur Bricolage maintenant, tu vois. Donc on se fera ça sur induction, mais on s'en servira. Donc voilà, ça, promis, on s'en servira. Hop. Toc, 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 toc. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un classique, mais qu'on n'a pas pu aborder pour l'instant sur la chaîne. Donc je m'étais dit que ce serait cool qu'on puisse voir ça. C'est une Bialetti. Une Bialetti, une cafetière italienne, tout ce qui se fait de plus classique, mais qui est malheureusement souvent mal utilisée. C'est une cafetière que tout le monde connaît, que beaucoup de gens ont chez eux, mais combien savent exactement comment est-ce qu'on s'en sert? Eh ben, finalement, pas tant que ça. Moi, j'ai vu 2-3 vidéos YouTube, je me suis dit qu'il allait falloir que je fasse une émission là-dessus, parce que sinon, ça allait mal se passer. Moi, ça me donnait de l'urticaire. Allez, il va encore y avoir des pieds-bouches. Voilà. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Donc ça, mais encore... t'as pris un beau modèle, là, en plus, là. T'as pris les derniers, t'as pas pris le tradi, là. Non, j'ai pas pris le tradi, parce que, si tu veux, le truc, c'est que les modèles tradi, si tu veux, avec la forme traditionnelle, en fait, ils existent pas pour induction. Ah, mais c'est vrai, t'as raison, putain. Avec induction, t'as forcément raison, cette base-là qui n'a pas le truc... c'est pas octogonal, mais vous m'avez compris, avec le truc très géométrique en bas. Tu peux l'avoir en haut, mais pas en bas. Et donc, du coup, on nous dit, bon, tant qu'à faire, autant prendre le modèle full induction. En plus, il est joli, hein. Il est joli, il est propre. J'ai hâte de pouvoir faire du café avec ça. C'est pareil, ça, on va bien se marrer. On va l'essayer très, très vite sur la chaîne. Oh oui. Encore plus de carton. Encore plus de carton. Voilà. Alors, voilà. Petite Qualita. Petite Qualita, parce que bon, on a déjà fait des V60 sur cette chaîne, mais on n'a jamais fait de Qualita. Vous serez très heureux de savoir que j'ai pris un modèle en verre et pas en métal. Bravo, bravo. Voilà. On t'a cassé les pieds avec ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc ça, voilà, on pourra s'en faire. J'ai les filtres adaptés, les filtres Wave. Vous pouvez voir qu'ils ont quand même une sacrée gueule, ces filtres. Hein. Ça n'a pas une gueule de filtre à café relativement classique. Hop, donc on se fera ça aussi. Voilà, dans les prochains jours, voilà, on va découvrir plein de nouvelles choses. Alors là on arrive au moment que j'attends le plus. Ah, mais qu'on attend tous. Que vous attendez tous. Parce que ça, c'est vraiment pour vous montrer, ça vraiment, je l'ai fait, ça c'est un sacrifice personnel, si vous voulez. Pour des raisons évidemment éthiques, je n'avais aucune envie de vous montrer une Chemex 3 tasses, évidemment, parce que il y a des limites à ne pas franchir.
Et donc du coup, non, je ne ferai jamais de Chemex 3 tasses ici, ou alors ce sera pour la blague, mais dans l'idée, je n'en ferai pas. En revanche, je nous ai récupéré un Phoenix 70. Oui, c'est tout comme. Hein. Bah alors, c'est tout comme parce que, bah, on évoquera ça un peu plus en détail, mais c'est tout comme parce que, c'est un... Oh putain, c'est beau quand même, hein, par contre, hein. C'est beau. Hein. C'est un truc, ça va très clairement finir sur une étagère. Voilà. C'est pire encore, c'est pas faux. C'est pire encore, ah oui, non, c'est carrément pire. C'est carrément pire, tu vois, c'est... Et encore, ça, celle-là, pour moi, c'est pas la pire. La pire, c'est le Saint-Anthony Brewer, c'est la carafe. Ah oui. Parce que ça combine tous les défauts de la Chemex 3 tasses, tous les défauts de ce truc-là, mais c'est encore pire. C'est, voilà. Donc si vous voulez un truc classé en 3cc, ben voilà, vous allez voir ça. Il faudrait qu'on fasse une session Phoenix, tu vois, c'est-à-dire on demande à un torréfacteur de torréfier sur un Phoenix roaster, qui est le fleuron des torréfacteurs français, et qu'après on fasse un petit brouguide sur ça. Là, franchement, on se fait une séance. Une séance Phoenix, ça va être. Fin. Ah donc, oui. Cette cafetière-là, elle est très jolie, elle est très design. Hein. Si vous êtes fan de steampunk, de trucs comme ça, on est dedans. Hein. C'est dans une boîte en bois et tout, avec le truc qui s'ouvre comme ça là. Bon. Effectivement, c'est très joli, en bois pyrogravé, etc. Voilà. En revanche, on verra ensemble pourquoi est-ce que, pour faire une cafetière, pour faire du café, c'est pas terrible. Mais c'est pas fameux, quoi. Voilà, c'est pas fameux. Mais moi, je m'étais toujours dit que j'en voulais un dans ma collection, parce que je trouve ça... C'est une cafetière originale et jolie. Mais de là à m'en servir, bon... Voilà. Vous comprendrez. Vous comprendrez. Donc évidemment, j'ai les filtres qui vont avec, hein, bien sûr, les meilleurs filtres. Voilà. Donc, non, ça va être... rien que ce son, c'est formidable. Du coup, voilà. Voilà. Un petit peu ce qui nous attend en programme dans les prochains jours. On a une Ibric, on a une Calita, on a le Prismo de Fellow, on a l'italienne, cafetière napolitaine, et on a la Phoenix 70... Comme ça, vous aurez un très vaste range de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire avec toutes ces cafetières. On verra ça ensemble. Ça promet des moments de qualité incroyable, je pense. Hein. Incroyable. Voilà. Mais en tout cas, oui. Merci à tous. Est-ce que vous avez peut-être... Ibric, j'ai bu des trucs pas mal à Ezimira. Ah ouais, non, mais en Ibric, on pourra faire des trucs assez fun, je pense. Hein. On pourra faire des trucs assez fun, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir un petit peu. Toi, avec tout ce que t'as acheté, t'aurais pu acheter un moulin. Bah écoute, le truc c'est que. Il te le répète depuis le départ. Merci Dayo. Oh merci. Quand j'ai fait cette commande là, si tu veux, j'avais toujours un peu dans l'espoir de réparer mon moulin. Bon, le truc c'est que là, mon espoir, oui. il est un petit peu diminué, mais. Soyez rassurés, il y a des choses qui arrivent. Oui, soyez rassurés. Il y a des choses qui arrivent. Voilà. Oui. C'est... Hein, ça se trouve, quelqu'un va t'envoyer une commande de café avec dedans un moulin prêté. Hein, voilà. Par exemple. Il se peut qu'il y ait des choses dans ce genre-là qui arrivent. Oui, voilà. Soyez bien rassurés. Oui. On y arrive. On y arrive. Voilà. Formidable. Bah oui. Non, mais écoute, vous avez des questions peut-être sur les cafetières que j'ai récupérées aujourd'hui ou pas peut-être dans le chat? Ou des questions même de manière générale, hein, s'il y en a qui veulent revenir sur des trucs sur l'émission, c'est avec grand plaisir, hein, comme d'habitude. Là, du coup, on est un petit peu en avance, hein, on a 10 minutes d'avance, là, donc on peut se permettre de chiller un petit peu. Hein. Oui, et puis d'ailleurs, merci encore à vous, le chat, qui êtes, comme d'habitude, tous les matins, actif sur les questions, les réactions, ce qui peut être échangé entre les différentes personnes que vous entendez. Vraiment, merci beaucoup. Il y a forcément des moments où on doit parfois zapper un peu des questions et tout, mais sachez qu'on lit tout. Hein. On lit tout. De A à Z. Ouais, c'est clairement. Et du coup, après, on essaie de faire au mieux, voir comment dans la discussion ça se profile, comment est-ce qu'on peut renvoyer la balle ou pas. Voilà. On essaie de... À quand une émission sur la mécanique des machines à espresso? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ouais. En fait, simplement la chose aujourd'hui, c'est de trouver une personne avec qui on est certain d'un de la compétence de ce qui va pouvoir nous apporter à tous,
Et deuxièmement, qu'on puisse, ben voilà, qu'il puisse aussi être écoutable, entendable de manière agréable pour tout le monde. Ouais, donc voilà, on est en train de, voilà, on est en train de réfléchir à ça tranquillement. C'est vraiment, on travaille dur, hein. On travaille dur. En fait, enfin, ne pensez pas, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles en fait on se casse la tête un peu. Donc en ce moment. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Oui, bah, il est comme toi, Dimitri, quoi. Tu me dis que Yoann de l'Alchimiste, il peut parler de ça et qu'il est un peu con, mais bon, il sait ce qu'il dit. Oui, voilà, on est sur du. Oui, on est sur du Bordelais Café Seine Starter Pack, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Formidable. Aïe. Mais oui, enfin, il y a encore des questions qui pour nous sont majeures et en fait, c'est juste qu'on n'est pas encore certain des personnes avec qui on veut travailler ça. Premièrement, il y a donc ce que vous avez dit, la mécanique des machines à espresso. Ça, ouais. C'est un très gros point. Il y a également le latte art. Ouais. Parce qu'en fait, pour nous, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que on veut pas simplement dire ouais, on fait des dessins. En fait, en 2 heures, parler de dessin, ça va être un peu On va se faire chier quand même. Barbant, un moment, voilà. Hein, on aime bien ça, mais calmez-vous quoi. Donc, il nous faut des personnes qui aient à la fois des compétences sur le latte art, mais surtout des compétences sur juste la chimie du lait, sur les questions d'émissions, et puis juste sur les questions de lait, juste tout bêtement. Qu'est-ce que c'est que du lait? Pourquoi on a choisi un lait de cette manière-là? Qu'est-ce qui nous a plu, tout ça? Donc, voilà, comment est-ce qu'on fait un accord entre le lait, la texture qu'on va lui donner et l'espresso qui va avec? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions à aborder. Voilà, donc, faut quelqu'un de pointu, quoi. Exactement. Et francophone. Et merci pour le follow. Parce qu'on avait des personnes en vue, mais c'est encore compliqué de voir les choses. Donc il y avait ça. On essayait aussi. Voilà, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. On serait ravi d'avoir vos recommandations. Ouais. On veut développer tout ce qu'on fait à la francophonie de manière plus générale. Ouais. Parce qu'on est ravi d'avoir des gens de la scène française. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on essaye au maximum d'avoir des personnes qui ne font pas partie, on va dire, de la première vague de visuels, donc des gens qui ont déjà beaucoup de visibilité et qu'on connaît déjà tous, ou en tout cas qu'on entend souvent. On essaie d'aller voir des profils un peu différents. Donc déjà de base on fait ça avec la scène en France. On aimerait bien aussi avoir des amis et des collègues qui viennent de Belgique, qui viennent du Luxembourg, qui viennent de Suisse, qui viennent peut-être aussi du Maghreb, qui viennent peut-être aussi d'Afrique, qui viennent enfin d'Afrique subsaharienne, qui viennent aussi peut-être du Québec. Donc voilà, on essaye de chercher des profils vraiment très différents parce qu'on veut vraiment élargir ça et pas rester entre franco-français. Ouais. Stéphane, tu me dis Seb Racineux, mais oui. C'est avec... Ah mais Seb est contacté. Il est contacté. Ce qu'on aimerait faire avec lui sur plein de, enfin parce que forcément, Seb, on aurait un milliard de trucs à parler avec lui. Ah ben oui, on voulait faire une émission vraiment très dédiée à ceux qui nous écoutent, qui débutent dans le café, entre guillemets, ou ceux qui veulent aller plus loin, qui sont des jeunes professionnels ou des amateurs qui veulent en apprendre plus. On voulait faire une émission sur la bibliographie, c'est-à-dire sur tous les bouquins qui existent et qui sont intéressants sur le café. Et qui d'autre pour nous parler de bouquins sur le café que Seb Racineux? Tu vois, l'auteur du Café C'est Pas Sorcier, donc d'une des plus grosses références mondiales de bouquins sur le café. Voilà. C'était super intéressant. On s'est dit que ce serait pas mal de l'avoir sur un sujet comme celui-là. Et bien évidemment, de toute façon, la discussion va glisser, hein, comme d'habitude, sur plein d'autres trucs super intéressants aussi, hein, bien sûr. Donc voilà. Il y a ça qu'on essaie de mettre en place. Il y a aussi une question qui nous est vraiment très important, enfin qui nous tient à cœur, excusez-moi, qui nous tient à cœur avec Théo, c'est toutes les questions justement scientifiques autour du café. Ouais. En fait, on est tous d'accord pour dire qu'on essaye de faire au maximum pour comprendre les enjeux, comprendre différentes problématiques du café, mais on le fait tous, on va pas se mentir, de manière un peu freestyle pour la plupart. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir des personnes en dehors du café de spécialité, mais qui soient plutôt des scientifiques, pour voir ce que c'est qu'une démarche scientifique? Ouais. Et juste peut-être à un moment donné nous aider par un échange à structurer un certain nombre de choses. Voilà, c'est une question qu'on se pose parce que c'est un point qu'on relève souvent avec Théo dans nos discussions. Comment est-ce qu'on fait de la recherche?
comment est-ce qu'on aborde les biais, les choses comme ça, comment est-ce qu'on peut être à peu près sûr de son résultat, comment est-ce qu'on parle d'une recherche, tu vois, comment est-ce qu'on fait de la recherche, comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on le partage, avoir peut-être un petit peu plus de vocabulaire scientifique pour qu'on soit un peu plus clair dans nos échanges quand on discute de ça, ouais. Parce qu'on parle beaucoup de nos recherches, mais finalement, qu'est-ce que c'est faire de la recherche et quelle est la méthode qui est adéquate pour faire une recherche qui ne nous emmène pas dans un côté biaisé, donc avec un résultat qui, s'il est trop partagé, emmènera dans des fake news, hein, tout simplement. Ouais, tout ça, c'est super intéressant. Alors évidemment, moi, j'aimerais beaucoup avoir les gens de Socratic Coffee, mais on a dit qu'on restait dans la francophonie, donc du coup, il va falloir trouver un autre moyen pour parler de tout ça. Donc, une émission de la place dans le café, dans la cuisine et la pâtisserie, ça pourrait être cool. Eh bien, écoute, c'est exactement ce qui est prévu pour lundi prochain, lundi va. Et oui. On va recevoir Gomar, qui est chef. Et le monsieur d'Ad Astra, non, on a déjà posé la question, il n'est pas francophone, Ad Astra. Et c'est très dommage. Donc ouais, le côté scientifique, parce qu'on le voit pas dans votre formation, et pour moi je trouve que c'est une erreur que vous ne le voyez pas dans votre formation. Oui, enfin, on est désolé pour vous d'ailleurs. On est désolé pour vous, mais voilà, c'est terrible parce que vous êtes la première promo, donc forcément vous, voilà. Et oui, on va avoir Margot, oui, on a eu Gomar évidemment, qui d'autre pour venir sur cette chaîne que Gomar, tu vois, pour nous parler bien cuisine, sûr. Évidemment. Donc ouais, le côté scientifique dans votre formation, j'espère que ça sera amélioré, forcément vous êtes la première promo, donc bon. Et voilà. Et d'ailleurs, ramène tous les gens de la promo, hein. Moi j'ai essayé de faire venir Clem, là oui et tout, machin, ouais, voilà. Fais venir Mehdi aussi. Je suis sûr que ça va l'intéresser, Mehdi. Ouais, mais faites venir les gens de la promo. Et puis nous, ce qu'on. Enfin, si vous voulez, les échanges en fait que là on vous propose tous les matins, c'est des échanges qu'en fait on a habituellement et de manière réduite. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment ouvrir pour qu'un maximum de personnes aient accès en fait. À ces discussions. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et peut-être aussi rappeler un peu le contexte, c'est qu'on n'est pas là pour vous présenter des faits. On est simplement là pour vous dire, voilà, on a des expériences humaines, et par ces expériences humaines, on se retrouve dans un biais d'analyse qui est le biais professionnel. Voilà nos remarques. Voilà, ouais. On n'est pas du tout sur de l'affirmatif ici, hein. On est vraiment sur qu'est-ce qu'on a... Non, et puis pour vous faire découvrir, l'objectif c'est de vous faire découvrir les différents métiers du café, vous faire découvrir différentes problématiques, voilà, plein de choses comme ça. Le but c'est que vous, ça vous intéresse, que vous ayez l'occasion d'apprendre des choses et de rencontrer des personnalités du café qu'on n'entend pas assez aussi. Donc ah bah c'est oui, pour ça que la plupart des gens qui ont ça, c'est pas forcément les gens qui ont le plus de... qu'on entend le plus souvent aussi, on essaie voilà, d'avoir des gens comme ça et d'aborder un petit peu le café sous vraiment toutes ses coutures. Donc voilà. Mais voilà, si vous avez d'autres recommandations, d'autres idées, que voilà, vous avez aussi des retours à nous faire, parce qu'on est extrêmement friands, et d'ailleurs merci à ceux qui nous font des retours précis quand certaines émissions manquent de précision, quand certaines émissions peuvent avoir des erreurs. Ouais, ça on peut est arriver, super content d'avoir ça, parce que ça nous permet en fait tout bêtement de continuer à adapter au fur et à mesure, au jour le jour, ce qu'on fait. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait, qui continuent à le faire. N'hésitez pas à le faire soit sur nos réseaux, soit sur le Discord. Hein, on peut remettre un petit lien pour que vraiment vous n'oubliez Discord, pas. Allez, un petit le, lien vers le Discord. Petit lien vers le Discord, allez, c'est cadeau. Voilà. C'est cadeau. Voilà, plein de choses super cool. Hein. Ouais, voilà. Et puis là, on a un beau programme qui se dessine encore. Donc on tiendra très facilement et très largement jusqu'au 11 mai. Oh oui. Et puis voilà, là on vous le dit quoi, voilà. Hein, Alors là, sans aucun problème. Non, parce qu'en fait Tom Selleck lui a légué, en fait. En fait, Théo a fait son visage dans un latte art en intrée, et donc il lui a légué sa chemise. Et voilà. Et voilà, tout va bien. Je n'ai volé cette chemise à personne. Ce serait pas cool d'avoir quelqu'un de Nespresso qui vienne s'exprimer. Ben, en fait, encore une fois, en fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Les gens qu'on essaye d'avoir ici sont des personnes qui sont des personnes peu connues, ou en tout cas qui font partie d'entreprises françaises. Mais quand je dis françaises, c'est vraiment qui ont une stabilité en France, une histoire avec la France, qui ont une histoire directe avec notre milieu. J'ai beaucoup de respect, évidemment, pour l'ensemble de l'industrie, c'est pas la question. Qu'importe ce que je pense d'eux, j'ai quand même une forme de respect. Donc non, Nespresso, en fait, c'est mort. Enfin voilà, moi je vous le dis très franchement. Quel intérêt est-ce qu'on va avoir avec les gens de Nespresso? Est-ce que vous intéresse vraiment d'avoir 2 heures de blabla commercial?
Parce qu'ils vont pas nous envoyer un technicien. Si on contacte Nespresso, ils vont nous envoyer un commercial qui va nous faire 2 heures de discours comme quoi Nespresso, c'est incroyable et ils font un taf formidable. Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Tu vois, c'est bon. C'est juste que l'intérêt pour vous comme pour nous, il va être très limité parce qu'on va avoir un discours qu'on se bouffe déjà à longueur de journée, peu importe à quel niveau on se situe dans la chaîne. Donc, Oui, oui. Et puis bon, on va pas se mentir, nous les baristas, on est déjà les premiers à se plaindre que dans nos championnats, des fois, on peut avoir des sponsors qui nous paraissent un peu étranges ou hors de nos réalités. C'est ça. Bon, on va peut-être pas le faire venir jusqu'ici. On vient d'avoir 2 heures de discours commercial de Belco. Bah écoute... Oui. Oui, mais sauf que Belco n'est pas Nespresso, si tu veux. Tu vois. Bah, c'est tout, on croit au projet qu'ils portent, on croit au travail qu'ils font, donc oui, on a envie de leur donner de la force, de la visibilité, et en plus, comme a dit Théo, ils ont des gens compétents auprès d'eux, donc... Tu vois, c'est... Et francophones. Voilà, voilà. Je veux dire, je pense que vous apprendrez beaucoup plus de choses en recevant individuellement toutes les personnes qui travaillent chez Belco que si on a Nespresso, quoi. c'est... Oui, oui, voilà. Non, mais c'est clair. C'est donc... Voilà, voilà. Ouais. Ouais, la mécanique des machines à espresso, ça intéresse les gens, hein. Ça intéresse les gens. Oui, oui, bah bien sûr. Bah bien sûr que ça intéresse. Bah nous aussi, ça nous intéresse. Mais voilà, aujourd'hui, on a pensé à différentes personnes. Le problème étant que pour l'instant, ces personnes, on estime que sur de la prise de parole en continu sur 1h30 à 2h, on est très franc avec vous, ça va être un peu difficile à entendre. Donc il faut qu'on trouve des personnes qui ont aussi une capacité de vulgarisation et une élocution qui rendent la chose en fait juste intéressante sur 2 heures, parce que la mécanique des machines pour les personnes qui ne travaillent pas en machine espresso, oh, c'est clair, c'est pas le cas. Hey. Pour les pros oui, mais pour les non pros ah, pour les non pros ça va parler de dual boiler et tout, putain, on va se croire dans une émission sur le tuning, quoi, incroyable. Oui, exactement. Mais effectivement, moi je pense que c'est important qu'on le fasse. Je pense que c'est important qu'on le fasse pour que les gens comprennent un peu mieux déjà la différence. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans une machine à espresso et pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi du coup ça produit ce que ça produit, et du coup se rendre compte quand ils regardent les specs d'une machine à espresso, quelle qu'elle soit, comprendre un petit peu, ah oui, d'accord, celle-là elle fonctionne comme ça, donc ça, etc. Moi je trouve que c'est important qu'on en parle aussi, si tu veux, même si ça risque d'être une émission. Ah oui, non, mais... technico-technique. D'un autre côté, on est sur Twitch, écoute, je veux dire, il y a des gens qui sont passionnés par des speedruns de Dark Souls, donc à oui, un niveau oui, technique, non, oui. Et quand ils connaissent rien, c'est encore plus imbitable que le fonctionnement d'une machine à espresso. Hein. Donc, et j'adore regarder des speedruns, j'adore ça. Oui, donc, oui, non, mais voilà. Toujours la pareil, quand on est geek de quelque chose, on peut, voilà. La bus vapeur, un trou ou plusieurs, bien sûr. Plusieurs. Oui, bah, les baristas sont team plusieurs, hein, tu sais. On évidemment. Est... On se... on se... Non, tu alors là, Tom, de celui... pas de van graveleuse, Tom. Retiens-toi. Non, mais c'est vrai. Retiens-toi. Aïe. Bon, mais le chat le fera, hein. Tu sais, il y a Dimitri qui est là, c'est suffisant, je laisse. Ouais, mais nous on n'est pas responsable de ce qui est écrit sur le chat. On peut juste se permettre de ban les gens qui disent des trucs trop dégueulasses. aïe. Ouais. Et après, ben oui, non, mais je veux dire, après, tu vois, Dimitri, c'est sûr que des personnes comme Gloria, c'est des personnes très très intéressantes. Mais encore une fois, c'est des personnes qui ont eu déjà énormément de visibilité. Donc voilà, on essaie de trouver des gens un peu différents. Eh ben nickel. Voilà. Ben merci à tous encore de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était super. Alors là. Ben ouais, merci à vous tous. J'annonce demain une émission. Oui. Alors là ça va être un sacré truc, parce que demain on va aborder la socio-anthropologie du café. Et pas avec n'importe qui. Hein. Pas avec n'importe qui. Avec Noa Berger. Noa Berger qui est doctorante en sociologie. Donc on va avoir une émission d'une qualité. Oui. Ça va être incroyable. Nous, moi j'ai hâte. Nous serons sans mauvais jeu de mots les moutons de son cheptel éducatif. Ah, nous allons on va en apprendre beaucoup. On va en apprendre beaucoup, et alors là je pense que ça va en passionner plus d'un dans le chat. Ça a l'air barbare comme ça, mais non. Ça va être super intéressant, et on va apprendre plein de choses, et on va prendre un recul monstrueux sur notre industrie. Ça va être trop cool. Ça va être super sympa. Eh bien écoutez, on se retrouve dans le Discord.
Voilà, avec cette fin d'émission. Merci Théo, encore et une fois. Merci pour, à toi encore d'être là au rendez-vous tout le temps. Et voilà. Voilà, hein. Eh oui. Eh bien, on se dit à demain matin. On se dit à demain matin, oui. Les gens. Et on se dit à tout de suite sur le Discord, pour ceux qui veulent venir blabater un petit peu avec nous et débriefer. Voilà. Merci à tous. On est bon là-dessus. Eh bien, allez. Merci encore à tous. Laissez juste le live tourner le temps que je mette les pubs, 5 minutes, pas plus. Voilà, de toute façon, oui, il voilà. n'y aura pas de son avec le live. Juste regardez les pubs. Regardez les pubs. Et abonnez-vous surtout, hein, bien sûr. Bah oui, oui. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Bonjour, coucou à tous ceux qui nous regardent en YouTube. Coucou à la cerise noire, hein, qui nous suivent. Qui nous suivent toujours. Des gros bisous Merci à tous. On se dit à demain. 9h-11h, ça change pas. Avec Noah Berger. Ciao, ciao. Ciao.